streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Salut Whitech, toujours le premier. Tu patientais encore dans le lobby comme à ton habitude. Comment ils vont? Ils vont bien. Antoine vient juste de partir de la salle d'entraînement. Je ne sais pas combien de temps il va mettre parce que Munich est sous moins 15 sous la neige. Donc je ne sais pas exactement dans quel état il va nous arriver, s'il aura eu le temps de manger, mais Antoine nous rejoindra après. Ouais, toujours, bah ouais. Bonsoir Janicea. Salut Street Greg. C'est toujours un plaisir de vous voir arriver les uns après les autres comme ça. Salut Saruman Sionis. Hello Pierre et 25. Salut Kikish. Toujours en direct de la 13, notre très chère ligne 13. Fortune's Mantis, salut. Ouais, Antoine, c'est un entraînement de hockey, limite, l'a vu le. Je crois qu'il m'a dit qu'il faisait moins 15 et qu'il neigeait à Munich. On n'en est pas là, heureusement. Salut, bonisseur de la batte. Alors, nous, il y a quelques écarts de température quand même en France, mais. Des mois que je regarde la late session sur YouTube, première fois en live. Eh ben, ça fait plaisir de t'accueillir. Airbag 22, c'est comme ça qu'on dit. Moins 11, Shai le Marseillais. Et justement, en parlant de Marseille, j'étais à Marseille en fin de semaine dernière, jeudi. Je suis reparti direct le lendemain. Il faisait 14 degrés quand je suis parti le vendredi, midi. Il faisait 3 degrés quand je suis arrivé à Paris. Donc le décalage piquait un petit peu. Salut le Shrug. Salut John D. 2F. Mister One Two. Tout à fait, Kiki, j'ai eu plutôt de la chance. Alors, le spectacle en lui-même était pas fou, enfin le niveau de jeu était pas fou, mais par contre le scénario, ça faisait 8 ou 9 ans que j'étais pas retourné au stade à Marseille. Et ouais, bah, je vois un 4-3 avec un but à la dernière seconde, c'était plutôt cool. Ouais. Est-ce qu'on a des locaux chez Rivers? Nous en avions il y a quelques années, puis on a fait le choix de dématérialiser, si on peut dire, parce que chacun, il y en a beaucoup qui ont déménagé. Enfin, Antoine est parti, d'autres sont partis d'autres endroits de France, ça se justifiait plus trop. Donc, même si on a encore trois en région parisienne, bah, par la force des choses, juste avant le Covid, en fait, on a arrêté avec les locaux et donc on se voit de temps en temps quand on peut, mais c'est surtout à distance maintenant qu'on fait toutes nos réunions. Est-ce que j'étais dans le virage sud? Non, j'étais dans le virage nord. J'étais dans le virage nord, plutôt bien placé. Hein. J'étais juste derrière la cage du gardien de l'Ajax quand il a pris le ciseau d'Aubameyang. J'étais plutôt bien placé. Salut Zonico Lelgil. Salut Mano Saez. Vous faites des team building de temps en temps? Non, on devrait, je pense. On devrait, alors on se parle tout le temps, hein, en fait. C'est des zooms et des chats constamment. Mais ouais, des trucs de team building, faudrait qu'on fasse. On a un spécialiste du vin quand même dans la team. Tu vois, un truc autour des vignes et tout ça. Ça peut être un team building de dégustation de vin. Je pense que ça se fera peut-être un jour. Le non-programme du soir, bah, t'as tout dit dans ta question, Kikiche. Hein. On va parler de ce que vous avez envie de parler. Est-ce que vous avez envie de parler de l'actu, c'est-à-dire de la NBA Cup, qui était plutôt cool, hein, les deux premiers matchs avec les deux suivants cette nuit. Vous pouvez parler d'autres, vous avez peut-être envie de parler d'autres choses liées à la NBA. Hein. N'hésitez pas à soumettre vos sujets comme d'habitude. Antoine en aura peut-être. Je crois qu'Antoine, il voulait parler de. Je sais pas si vous avez vu son article sur Basket Session aujourd'hui. Il a fait un gros taf sur les trades qui pourraient changer la saison. Et je crois qu'il voulait parler, voulait vous soumettre un peu ses idées de trade au cas où vous les auriez pas lues. Salut Joe Cole. Team building apéro, ouais, effectivement, c'est la même chose. On va essayer d'en faire. J'étais bien placé devant ma télé, mais quand Aubameyang a fait son retourné, j'ai réveillé le quartier. À quand un Chris Cross Shai versus Bastien de TT? Un Chris Cross, genre un crossover en invité? Bah, ça se fera peut-être un jour. Hein. On se connaît un peu avec Bastien. Ça pourrait parfaitement arriver.
On veut surtout savoir ce que va manger Antoine. Ben, même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Il va nous le dire. Je ne sais pas s'il aura très faim après avoir bravé le froid comme ça. Je ne sais pas s'il aura le temps de manger, surtout s'il veut participer à la late avec nous. Salut Loulou. Se bourrer la gueule au vin financé par le taf, quel bonheur. Ben, on espère. Guillaume, que vous connaissez pas, dont vous connaissez pas le visage, mais qui est un des grands pontes de Rivers, spécialiste du vin, il a écrit des bouquins sur le vin que je vous recommande si vous êtes fan de vin, qui sont aux éditions Rivers. Hein. N'hésitez pas. Entre les vignes, ça s'appelle. Merci Loulou pour ton abonnement. Maestro Zengali, vous n'avez pas parlé des trophées du mois, c'est pourtant un sujet d'actu facile. Ouais, mais parce que j'avoue que les trophées chaque mois, ça me. J'ai du mal à me hyper pour les trophées chaque mois. J'ai juste retenu que Mike Brown avait marqué un point en disant que De'Aaron Fox avait été 2 fois joueur de la semaine, mais que absolument personne n'en parlait comme MVP. Et c'est pas faux. C'est le seul joueur qui a gagné 2 fois les trophées de joueur de la semaine et on le mentionne absolument jamais. Mais je t'avoue que les trophées mensuels comme ça, j'y prête peu attention. On a un œil sur la MVP race dans son ensemble, hein, évidemment, et sur les. Un peu même sur toutes les courses en même temps. Mais celle-là, mois par mois, j'avoue, on ne fait même pas de news dessus parce que c'est même. Enfin, ni semaine par semaine d'ailleurs. Alors, rookie de l'année, c'était intéressant parce qu'il y a la lutte Holmgren-Wembanyama et Holmgren qui a été classé devant. Ça, c'est intéressant. Mais pour le reste, non, j'avoue. Ouais, ce tournoi est assez cool, Mister One Two, je suis d'accord. Je m'attendais à rien et je suis plutôt satisfait. J'ai beaucoup aimé le Indiana-Boston de cette nuit que j'ai regardé, de la nuit dernière. Et franchement, j'aime bien tout le décorum autour, l'ambiance playoff qu'il y avait, le scénario avec Ali Burton. Enfin, je suis en train de tomber amoureux de ce joueur depuis. Bah, quasiment depuis qu'il est arrivé là-bas. Hein, mais là, il franchit un palier. Son plafond, il n'arrête pas de monter. Je le trouve incroyable. Peu de pertes de balles, hyper altruiste, tout en étant très fort offensivement. J'aime beaucoup. Doncic n'a jamais été joueur de la semaine, fin de la blague. Jamais, jamais. Genre, jamais depuis qu'il est en NBA ou. Parce que je les ai pas en tête le mois j'ai pas en tête le mois par le semaine par semaine mais ça me surprendrait quand même. Si Popovic fait un effort Wemby Roy DPOY. Ouais, c'est un peu simple peut-être de raisonner comme ça, je pense que c'est plus compliqué que ça et Holmgren est tellement bon que Jokic premier point passe rebond, c'est ouf. On prend pour acquis mais c'est dingue, je suis totalement d'accord. Si tu me demandes aujourd'hui quel est mon MVP, je vais pas faire dans l'originalité, je vais m'en tenir à mon pronostic de début de saison qui était Dire Jokic. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Haliburton? Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Haliburton, enfin, ou qui sont indifférents au talent de Tyrese Haliburton parce qu'il est encore en sommeil, parce qu'il n'est jamais diffusé à la télé nationale, parce que c'est pas encore une star médiatiquement, mais je pense que sinon le jeu, son mélange d'altruisme et en même temps d'efficacité, je pense qu'il ne peut pas ne pas l'aimer. Il a une personnalité que moi j'aime bien en plus, très très éloquent. Il passe souvent, si vous écoutez le podcast de JJ Redick, c'est devenu un ami de Redick et il est souvent invité. Donc je vous recommande ses interventions, elles sont toujours très très lucides, très intéressantes. Il a une très bonne analyse de son jeu, de la NBA actuelle, j'aime plutôt bien. John D2F, pardon, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes libre d'écrire pour d'autres médias. On écrit chacun pour d'autres médias, plus ou moins. Antoine bosse un peu sur Eurosport. Moi, j'écris sur Swish Swish qui parle de basket, de WNBA, de basket féminin notamment, un peu sur sports.fr aussi. Mais bon, voilà, la majorité de notre temps est quand même consacrée à Rivers et Basket Session. La First Team parlait de votre MOOC sur les losers. Elle disait que Steve Nash était un beau loser. ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. La question de point de vue, il y a différentes définitions de loser. Hein, c'est pas. C'est un joueur très très fort qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais été en finale NBA, donc ça peut aussi, ça peut englober, il peut rentrer dans cette définition, je pense, mais c'est pas non plus le loser ultime. Après, on a pris Charles Barkley comme exemple pour la couverture. Il a été une fois en finale, c'est un membre de la Dream Team, du Hall of Fame, et il y a un côté loser aussi dans sa carrière, mine de rien. C'est pas que des mecs qui sont passés, qui sont à côté de la plaque et qui sont mauvais, finalement. Antoine écrit aussi pour Eurosport, donc je suppose que oui, exactement. Antoine écrit sur Eurosport. Jokic, c'est Monsieur Basket. Bah là, il a un niveau phénoménal. Je partage cependant l'avis d'Antoine hein, sur le fait que Denver n'est pas forcément sous sa meilleure version quand Jokic est obligé de faire des matchs à 38 points, 20 rebonds, 15 passes. En gros, je schématise un peu, mais j'adore toujours le voir jouer, j'adore toujours son approche du basket surtout, qui est toujours ultra altruiste.
Mais ouais, Jokic, fantastique. Haliburton fera un excellent consultant, je suis parfaitement d'accord. Il est brillant. Il n'y a que Théo qui a un vrai boulot, il est DJ. Ouais, DJ vintage hip-hop des années 80, effectivement. Vous mentionnez souvent Haliburton, meilleur joueur all-time des Pacers. C'est vrai que je le dis pas mal ces derniers jours parce que je l'ai entendu dans quel podcast que j'écoutais, j'ai entendu ça. Je crois que c'était dans un mailbag pour Bill Simmons. Quelqu'un lui demandait s'il pensait qu'il pouvait éventuellement devenir le meilleur joueur de l'histoire des Pacers. Donc devant Reggie Miller qui fait l'unanimité, qui est emblématique sans avoir un palmarès collectif individuel phénoménal, mais c'est un joueur emblématique. Moi, je pense que oui. Il en est très très loin encore parce que c'est que ça. Deuxième saison pleine à Indiana, mais je pense qu'il a les caractéristiques pour l'être, ouais, pour emmener Indiana au moins aussi loin. En tout cas, il a envie de rester. Moi, c'est ce que j'aime aussi chez Haliburton, c'est qu'il a envie de s'impliquer. Il avait envie d'être le joueur qui ramène Sacramento sur le devant de la scène. Il n'en a pas eu l'occasion, il en était très triste. Et il est hyper, hyper impliqué, tout ce qui est communauté. Il fait le job parfaitement médiatiquement. Et je pense que, en tout cas, c'est celui qui a le plus de chance depuis Paul George. Qui lui avait quand même les attaches californiennes qui faisaient que tu sentais qu'à un moment il aurait envie de bouger, mais je pense que Haliburton peut, en tout cas il a le droit d'y prétendre. C'est déjà un beau compliment, je pense, parce que Reggie Miller, quand tu as grandi dans les années 90 et que tu l'as vu jouer, tu sais, tu te rends compte de l'impact qu'il a eu sur la franchise. Faudrait quoi pour qu'il dépasse Reggie? Bah pour que. Bon, ça peut être sur de la longévité. Bon, la longévité, c'est compliqué. Reggie, il a joué longtemps et il a fait des stats. Qu'il les emmène lui aussi en finale, qu'il marque les esprits sur la durée, statistiquement, dans les résultats collectifs. Ça peut être ça, hein. Disputer plus de finales NBA, peut-être les emmener vers un titre, qui sait? Je sais pas. C'est pas si simple. J'en conviens, hein, c'est très compliqué, mais y a la possibilité. C'est le syndrome du sauveur à Haliburton, je suis sûr, il aime les meufs toxiques. Peut-être, après il n'a pas eu le choix, tu vois, il est drafté par Sacramento, il n'a pas eu le choix de la franchise de Luz, quoi. Et ça commençait à aller mieux quand il était là, et Indiana, il n'a pas eu le choix non plus, il a été tradé. Donc quand il sera en fin de contrat et qu'il pourra choisir là où il a envie d'aller, on verra s'il a envie de continuer à développer Indiana, à les remettre sur le devant de la scène, ou s'il est plus attiré par autre chose. Moi, je pense il est tout à fait capable de faire toute sa carrière là, si l'équipe se développe bien, évidemment. Depuis quand on parle basket dans les sessions, et puis pourquoi pas les Pistons qui gagnent des matchs tant qu'on est. Mais oui, il faut bien parfois, je sais. Vous verrez, quand Antoine va arriver, on dérive souvent, hein, mais. Haliburton flow de fou, je suis d'accord. Tout pour devenir une superstar. Ce côté altruiste, moi, ça me plaît beaucoup. Tu sens que parfois, il est même encore parfois trop altruiste et il n'utilise pas assez son talent. Oui, il le fait en cours de match. Là, sur le match contre Boston, si vous l'avez regardé hier, je pense qu'on voit bien le shift qu'il a opéré en cours de match où il n'était pas assez agressif en première. Et oui, parce qu'il voulait impliquer les autres. Et du coup, il a activé le mode offensif agressif en deuxième mi-temps. Arrêtez de vous marrer, Antoine est peut-être dans la neige. Ouais, c'est très possible. Cocorac, salut. Toujours un plaisir de vous écouter en déneigeant la voiture. Ah, mon pauvre, dur. T'es où déjà, Cocorac, pour qu'il neige? Je me souviens plus de ce que tu nous avais dit la dernière fois. Jean Lassalle, président en 2027. Peu de chance, quand même. On peut dériver sur de la politique géopolitique comme la semaine dernière, mais je ne pense pas qu'on en arrivera à la conclusion que Jean Lassalle est présidentiable. Montréal, effectivement, ouais. Je comprends du coup pourquoi tu déneiges. Pourquoi tu dois déneiger ton véhicule? Bon courage à ceux qui sont dans le froid, forcément. Premier triple-double pour Haliburton, je fais bien de le mentionner à sa Roman parce que c'est le premier de sa carrière, c'est un match où il était censé être blessé et il a été incroyable. Argument incontestable pour Reggie, il n'y a pas Cheryl Haliburton. J'aime beaucoup ta référence, Street Greg, parce que pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a. Cheryl Miller, la grande sœur de Reggie Miller, c'est une légende du basket féminin aux États-Unis. Elle n'a pas eu la chance de jouer en WNBA parce que bah, elle était trop âgée, je pense. Enfin, en tout cas, ça a coïncidé pas avec. Elle était déjà dans un stade avancé de sa carrière, la ligue venait de se lancer. Et en gros, elle lui mettait des rousses quand ils étaient jeunes, tout simplement. C'est une fille qui jouait avec des garçons, qui était phénoménale à l'université, avec l'équipe américaine, et qui l'a bien tirée vers le haut. Ce serait sympa de faire un point sur les Français parce que c'est vrai qu'ils disparaissent tous à part Gobert et Wemby. Oui, je voyais que ça parlait d'Ousmane Dieng. Ouais. J'avoue que je pensais pas que Dieng sortirait de la rotation et irait jouer en G League.
parce qu'il avait été quand même beaucoup utilisé en pré-saison, en Summer League. Après, parfois, il faut passer par là, hein, c'est pas un drame. Et pour les autres, Kylianet, ils avaient fait un bon petit retour là dans le 5, je trouve, avec Détroit. Ça leur a pas permis de gagner, mais je trouve qu'il a été bon. Hein, alors, toute proportion gardée, je dis pas qu'il est phénoménal, mais c'est déjà mieux que de le voir en sortie de banc. Je le trouve pas moins impactant que Jaden Ivey, et c'est quand même déjà le minimum. Antoine m'envoie un message. Désolé, je vais être super à la bourre. Voilà. Désolé, cher lecteur, Antoine ne va pas arriver tout de suite. Sur les Français, donc on parlait des Français, Bilal c'est plutôt pas mal, quoi. Lui aussi compte tenu du contexte. Nicolas Batum s'est parfaitement intégré à Philadelphie, il le dit lui-même, je pense qu'il est presque surpris que ça se passe aussi bien. On s'attendait à ce qu'il mette un peu de temps à se lancer, je parle des Sixers, hein, pas de Batum, mais ça a été un fit immédiat, il joue tout de suite beaucoup. Ils lui ont permis de s'absenter de match pour des raisons personnelles qu'on ne connaît pas, et il faut respecter ça, mais ils lui ont tout de suite permis de s'absenter. Dès qu'il est revenu, il est revenu dans le 5. Il est dans son rôle que j'aime bien chez lui, de connecteur, de mec qui apporte du lien, qui défend bien, qui doit rentrer ses shoots quand il les a. Donc voilà. Et Gobert, bah, les gars, moi, si vous écoutez le CQFR tous les matins ou même les podcasts, je suis totalement fan de la saison de Rudy. J'ai tellement envie en fait qu'il prouve, parce que moi aussi j'ai pu être déçu par le passé de la fin à Utah, de la première saison à Minnesota. Je le trouve là cette année, il est incroyable, il est même rayonnant en dehors du terrain dans la manière dont il interagit avec les journalistes. Défensivement, il est phénoménal. Enfin, ok, c'est un travail collectif à Minnesota. Hein. Les Wolves sont pas des peintres en défense autour de lui, mais il est contagieux et c'est un point d'ancrage incroyable. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Et autour, petit Jean, t'as raison de le dire, Kat, dont on s'est moqué souvent ici par le passé, Kat est excellent aussi. Ils sont tous très bons. Les Wolves sont en début de saison excellents. Donc, il n'y a rien à dire. Oui, Jublitz, salut. T'es pas à la bourre. Antoine n'est pas encore rentré de son entraînement. Et comme il vient de me le signaler, il va être pas mal en retard. Mais vous inquiétez pas, il rattrapera le temps perdu. Il a des petits trades à vous proposer en parallèle de l'article qu'il a posté, que je vous mettrai en lien tout à l'heure aussi. Un gros gros boulot qu'il a fait, donc on en discutera, voir si vous avez des idées de trade qui pourraient changer la phase de l'NBA. Gobert sera DPOY si les Wolves restent numéro 1 à l'Ouest, ou All-Star peut-être, je sais pas de quoi vous parliez, j'essaie de remonter. Je pense qu'il sera All-Star et qu'il sera Defensive Player of the Year, je pense. En tout cas, je suis assez confiant sur le début de saison, il marque quand même les esprits. Dunk Hebdo a fait un podcast intéressant sur les Pistons et notamment le fait de devoir sûrement payer des jeunes qui n'ont encore pas montré de certitude. Qu'est-ce que tu penses de la situation contractuelle de la franchise? Bah, c'est ça le souci, c'est-à-dire que Kylian Hayes, il me semble, lui aussi n'a pas été prolongé. Il n'y a aucun joueur qui a prouvé sur la durée chez les jeunes pour l'instant, ou qui a donné assez de garanties pour être prolongé. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Cunningham a été blessé toute une saison. Il est un peu décevant, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu moins rayonnant que ce qu'on pouvait espérer, en tout cas après la première semaine. Et les autres, Jaden Ivey n'a pour l'instant pas assez montré. Jalen Duren est bien, il est encore jeune, c'est le plus jeune joueur de sa QV, je crois, hein, de sa classe de draft. Mais effectivement, contractuellement, c'est compliqué. Il n'y a personne qui se dégage, il n'y a pas un mec dont tu te dis c'est lui qui va porter les Pistons à l'avenir. Cunningham doit être ce gars-là, et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Est-ce que tu penses que les Wolves d'il y a deux ans, gros démarrage puis plus rien, que ce soit pareil? Non, je suis assez confiant sur le fait de... Tu vois, là, ils gagnent des matchs quand Edwards n'est pas là. Ils jouent plutôt bien, il y a une cohérence dans ce qu'on voit. Défensivement déjà, avec la base. Et du coup, je suis assez confiant. Ils commencent à bien se connaître. S'il n'y a pas de blessure, je pense qu'ils vont rester au moins. Je dis pas qu'ils vont finir premier à l'Ouest. Hein. À un moment, ça va peut-être se niveler avec Denver, Phoenix notamment. Mais je crois en leur participation en playoff. Voilà. Nacio 92, c'est Antoine, hein, les gars. Donc voilà, il vous prévient qu'il arrive. Cunningham, ouais, on en attendait plus. Après les déclats de Team USA où il avait été le meilleur joueur du camp, a priori, qu'il avait refusé la sélection. C'est vrai qu'on s'attendait à plus. Salut ATLBVX. Ozar Thompson, futur All Defensive Team, oui, bah, en tout cas, il a le profil, on en dit du bien aussi, pareil, à chaque fois qu'on le peut. C'est toujours frustrant de voir les joueurs comme ça, qui montrent autant de belles choses,
va être dans une équipe dysfonctionnelle. C'est un peu le problème. C'est un peu comme Bilal Koulibaly, qui est très très bon, je trouve, en sortie de banc aussi. Mais est-ce que c'est le cadre idéal pour progresser? Je ne sais pas. Avec son profil de joueur, j'aurais aimé qu'il joue dans une équipe compétitive tout de suite et qu'il apporte ce qu'il apporte là à Détroit, mais dans une équipe sur laquelle ça a un impact, du coup. Et merci Titan Féminin pour le follow. Ouais, j'aurais aimé qu'il joue ailleurs, mais c'est pareil. Après, pour Wembanyama, on peut se demander la même chose. C'était la discussion au sujet de la bah, du parallèle Holmgren, qui est déjà dans une équipe fonctionnelle, et Wembanyama, qui est dans une équipe pas encore qui se cherche, qui a pas encore vraiment de style. Au moins, j'aime bien quand il y a une ligne directrice. Détroit, je la vois pas encore. Washington, je la vois pas des masses non plus. C'est pour ça. Et la comparaison avec Taillebull peut faire peur, parce que Taillebull défensivement, c'est exceptionnel aussi. Hein, les premiers. Ses premiers, enfin, il finit dans une all defensive second team, je crois. Pas l'oublier, hein. Avec zéro apport offensif, certes, mais faut faire attention à ça. Tu mets Ozar aux Warriors, ils sont top 5. C'est possible. Après, est-ce que c'est que de la défense qui manque aux Warriors? Je sais pas. C'est un peu d'autres trucs également. Ozar n'a pas de shoot, ouais, pour l'instant. Hein. C'est un rookie, hein, les gars. C'est un rookie qui jouait en overtime elite, donc il n'a pas vraiment pu encore je pense, se jauger. Là, c'est vraiment ses débuts contre des pros, hein, faut se dire ça. C'est-à-dire que être performant dans une équipe dysfonctionnelle contre des joueurs pro aguerris, je trouve que c'est déjà bien. Et offensivement, il part pas de zéro. Il part déjà d'un statut plus élevé, je pense. Offensivement, il part d'un niveau plus élevé que Taiboul. En tout cas, Taiboul, il se contentait de shoot dans le corner qui rentrait même pas au final. Taiboul au defensive team en sortant du banc, c'était exceptionnel. C'était incroyable, à Philadelphie. 13% à 3 points Ozar, ouais. C'est ça? Enfin, tu parles bien d'Ozar, Joe Cole, ouais. Bah, c'est pas grave, ça me choque pas. On a vu des. S'il prend 10% tous les ans, écoute, pourquoi pas? Et il drive bien, effectivement. Ozar me fait penser au jeune Ron Artest, époque Indiana. C'est pas faux, un bulldozer défensif ultra polyvalent. Alors, moins méchant, a priori, dans l'approche, hein, quand même. Moins fou furieux, mais. Artest était un excellent joueur quand même. Et son début de carrière avec Indiana, enfin il y a eu Chicago d'abord, mais avec Indiana après, c'était vraiment bien. J'ai pas regardé la NBA encore vraiment cette année. Cason Wallace, ça donne quoi? Il joue un peu, ouais, il a un rôle dans la rotation de Casey et il est très bon. Pareil, alors il prend pas de tir compliqué, il fait de l'efficace offensivement et ils se font bien dans le collectif défensivement. Il a déjà un bel apport, je trouve. Dans une équipe, là aussi, fonctionnelle. C'est ça. Ça joue, hein. Faut s'en rendre compte aussi. Hein. Question un peu hors sujet, mais savez-vous s'il existe un équivalent du Mook Rivers dans le foot? Un équivalent à tel quel, je ne crois pas. Alors après, tu peux prendre les sauts foot à chaque fois qu'ils sortent, c'est un peu le même esprit. Ils ont une thématique qui développe. C'est souvent très très bien écrit. Je lis un peu moins ces dernières années, mais c'est quand même de la qualité. Et après, en mode revue, je crois que l'After Foot a fait une revue, mais pareil, je ne me suis pas penché dessus. Un truc avec un sujet à chaque fois et qui vont développer à chaque fois sur ce numéro-là. Donc je ne peux pas te parler de la qualité de la chose ou non, parce que je ne me suis pas penché dessus. Mais je crois que c'est un format similaire en tout cas. Cason Wallace, très très bon début de saison, effectivement. Peur que ça bloque plus haut s'il ne développe pas son shoot à la Ben Simmons. Ouais, le shoot a vraiment un. Oui, ça a une place importante en NBA aujourd'hui, mais quand tu es élite dans un domaine en défense, si autour de toi, si on n'attend pas de toi des choses comme on attendait de Ben Simmons, je pense que ça peut aller. Hein. Si Ozar Thompson, on lui demande d'être surtout un énorme défenseur, ça peut déjà le faire et il va essayer de progresser. Je pense pas que c'est de la peur de shooter comme Ben Simmons, par exemple. Il n'y a pas eu un traumatisme psychologique qu'a fait qui prend zéro shoot. Et pour Ben Simmons, bah là, la blessure, ça nous oblige à revenir à la réalité, oui. On ne sait pas quand il va revenir. Ils lui ont fait une piqûre dans le dos. C'est un peu triste, ouais. Ouais, les cahiers du foot. J'ai pas pensé aux cahiers du foot. D'ailleurs, l'un de leurs créateurs, Jérôme Latta, a sorti un bouquin très intéressant récemment, là, que j'ai commandé. Scoot, il a un début de carrière bien naze, peut-être qu'il explosera plus tard, faut pas insulter l'avenir, mais pour l'instant c'est un bon vieux bust. C'est tôt 20 matchs hein, avec des blessures en plus. Oui, c'est sûr qu'il pète pas et crève pas l'écran. Il crève pas l'écran et
On pouvait espérer plus, mais pareil, Portland, est-ce que c'est une équipe fonctionnelle? Tu vois, mais j'aime bien ce côté fonctionnel, dysfonctionnel. Si tu vois un peu comment l'équipe veut jouer, quels joueurs seront là par la suite, qui sera le fer de lance, il a un peu de mal pour l'instant à s'affirmer, mais je vais attendre, j'attends au moins la mi-saison et qu'il enchaîne les matchs pour livrer un verdict sur lui, mais c'est compliqué, c'est sûr. Qu'est-ce que vous nous dites donc? J'en ai lu quelques-uns des after-foot et il y a plein de contributeurs différents qui écrivent des articles, ça vaut le coup. Mais très bien, j'essaierai de regarder ça. Quel équivalent de vous ou de First Team pour le basket des filles WNBA Euro? De vous en podcast et Twitch, tout ça. Bah, après, moi, comme je disais au début, je bosse aussi sur Swish, qui est un média de WNBA et de basket féminin en général. On fait moins l'Europe, mais on fait les sélections. Et donc, je te dirais bien ça. Après, il y en a d'autres hein, que j'ai pas en tête, mais je te dirais bien ce média-là. J'ai bien aimé le déclat de Rick Carlisle qui mettait en avant les bienfaits du in-season qui pouvait donner aux jeunes joueurs un aperçu des ambiances et enjeux de playoff. Tout à fait d'accord, Aaron Erwan, j'en parlais aussi tout au début. J'aime l'atmosphère qu'il y a dans cette NBA Cup. Moi j'utilise NBA Cup pour pas me planter entre play-in et in-season, donc je dirais NBA Cup parce que c'est comme ça qu'ils voulaient l'appeler. Je suis d'accord, j'adore tout ce qu'il y a autour. Le fait que les mecs se soucient du match, ils sont à fond dedans. Alors oui, il y a 500 000 dollars à la clé à gagner et c'est énorme pour certains joueurs, mais. Il y a cette ambiance de playoff, je trouve. Il y a ce contexte autour qui donne envie. C'est une première version, en tout cas, très, 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 très intéressante. Et on n'a pas encore vu le Final Four. Donc, le Final Four, ça va être. Ça, peut-être, je me dis peut-être qu'à terme, ça peut, en termes d'intérêt, ça peut remplacer le All-Star Game, peut-être. Ou qui est devenu emmerdant au possible, même tout autour, à 3 points et encore. Je pense que. Pourquoi pas que le Final Four d'une Season Tournament. Deviennent un rendez-vous incontournable avec un enjeu sportif, un enjeu financier évidemment, moi j'y crois. C'est réussi, comme tu dis, SkyFC. Whitech, les Belgian Cats méritaient leur titre à l'Euro pour toi, mais bien sûr, 1 million de fois, ils méritaient d'en gagner d'autres avant. Elles méritaient. C'est l'équipe qui joue le mieux au basket en Europe depuis 5-6 ans, je dirais. Des joueuses top, une génération super, voilà. Si vous voulez voir du beau basket, chez les filles notamment, les Belgian Cats, c'est mortel. Est-ce que le Final Four sera compté comme des matchs de saison régulière? Non, pas du tout. C'est à part, comme le sont les matchs depuis hier, les espèces de quarts de finale qui sont en fait des demi-finales de conférence. Ça compte pas, ça compte plus. Les matchs de qualif, de classement pendant la saison comptaient. Cela ne compte plus. Ils sont à part. Et d'ailleurs, les autres équipes ne jouent pas pour que l'attention soit tournée dessus. 500 000 dollars, ça aide pour se lancer dans la vie avec confiance. Je suis d'accord. Je suis d'accord, petit Jean. Je ne me rappelle pas avoir vu un rookie en 40-60-90 comme Holmgren. Tu as raison, le shrug, il est là. Alors, il faut bien évidemment rappeler que le contexte est important. Il joue dans une équipe qui tourne très bien. Mais c'est déjà le deuxième meilleur joueur de son équipe, je pense. Et c'est impressionnant. Il est d'une efficacité, en même temps sobriété, efficacité. Et en même temps, c'est un excellent protecteur de cercle. Il a déjà rentré des shoots pour arracher la prolongation, des choses comme ça. C'est un bazar, ce joueur. Hein. Il est incroyable. Si, si, il compte. Donc, attends. Comment ils peuvent compter si c'est des matchs dont on connaissait pas le. On pouvait pas connaître les affiches à l'avance des quarts de finale, là. Ah, il y a des équipes à 80 et 80, vous voyez, même. Putain. J'avoue, on va redemander à Antoine alors. Les quarts aussi comptent alors. Alors, j'avoue que j'y croyais pas du tout. C'est juste pas le Final Four, ok. Mais alors, ils vont quoi? Ils vont pondérer comment ils font avec les équipes qui ont joué plus de matchs, du coup, c'est ça qui me dépasse un peu, mais. Faut pas trop me demander en mathématiques et en statistiques. Hein. Je suis bac littéraire ici. Hein, donc, donc ouais, donc alors peut-être pas. Alors les quarts et demi, oui. Alors ouais, je suis surpris. Vous voyez, je me suis pas assez penché. Je me suis penché trop tardivement sur cette NBA Cup. Super joueur Holmgren, mais il a le charisme d'une huître. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il a un regard un peu méchant du mec qui veut prouver, qui était l'attraction avant que Wembanyama arrive chez les jeunes. Les jeunes mondiaux, hein, même, parce qu'il était champion du monde en catégorie de jeunes en finale contre la France. Le charisme du Nid, je sais pas encore. Faut qu'on l'entende un peu plus s'exprimer. Il y avait des trous dans le calendrier exprès, ouais. Calendrier pas complet, l'NBA l'ajuste en fonction des matchs. Bah, merci les gars, ouais, vous en savez plus que nous. Que moi en tout cas, parce que peut-être qu'Antoine y savait, mais moi j'étais à la masse. Et des équipes à 80, 81 et d'autres 82, c'est un bonus. D'accord, très bien. Remarque, c'est logique, ça récompense aussi les mecs qui ont été, les équipes qui ont été performantes et qui sont allées aussi loin.
Alors le Shrug nous fait une bonne, j'ai l'impression, nous fait une bonne définition. Il faut savoir que l'ensemble des matchs du In-Season Tournament, sauf la finale, compteront également pour les bilans de saison régulière. Il n'y a donc pas plus que les 82 matchs habituels pour les équipes NBA, excepté les deux finalistes, qui en joueront un 83e. Effectivement, bah c'est bien pensé. J'aurais dû me douter que la NBA allait quand même bien faire les choses. C'est pas la FIFA ou la 3F. Hein. Mais, ouais. Antoine, vous réclamez Antoine à corps et à cri? Chet Norris, il ressemble à un ado attardé. Non. Peut-être un côté timide, mais je pense pas. Je l'avais déjà entendu parler par le passé. C'est, il est pas si. Je pense qu'il peut. Il peut. C'est peut-être un joueur charismatique. Alors, il n'est pas souriant, rayonnant comme d'autres jeunes joueurs de la ligue, hein, mais faut attendez un peu avant de le voir, je pense. Qu'est-ce que tu nous demandes, Etiel? Foot hors OM, tu es pour qui, Shai? J'ai des sympathies à droite et à gauche, mais en Europe, j'ai toujours suivi l'Ajax. C'est pour ça que je suis allé au match, pour ça que je suis allé à Marseille jeudi dernier. C'est en gros mes deux équipes préférées en Europe, donc ça valait le coup que j'aille voir le match. Et dans chaque championnat, j'ai toujours. Enfin, moi, j'aime bien les outsiders, j'aime pas les grosses équipes. Je vais voir des matchs du Red Star parce que c'est à côté de chez moi, j'y vais de temps en temps et que je connais bien le coach. Et sinon, j'aime bien la Fiorentina en Italie, enfin toutes les équipes un peu d'outsiders. Voilà. Pas besoin d'Antoine, mais non, mais si, on a besoin d'Antoine. Il faut qu'il m'aide à. Il faut qu'il y ait de la conversation quand même, qu'on ne soit pas. Je ne suis pas tout seul, les gars. Plutôt un taiseux, il est pas solaire et il parle bien. Ouais, je suis. C'est un peu ça l'impression que j'ai avec. Avec Holmgren. Et le. Oui, Jokic, tout le monde le trouvait très très plat au début, mais. Au final, il est intéressant dans son registre. Que j'ai caillassé un bus, absolument pas, ça, Roman Chouinard, même dans mes plus fortes années de supporter, je n'allais pas voir, je n'allais pas jeter des cailloux. Baptiste Touta, le loup, évidemment, j'avais le poster dans la chambre, quand je suis allé à Florence, je suis passé devant la statue qui est devant le stade, évidemment. Envoie du AP, il va arriver, je sais pas si t'as vu, à Bitunka, il était pris dans la neige, il va pas tarder, je suis pas sûr qu'il mange devant vous, mais... Shai va voir le Red Star, quel homme de goût. Bah oui, c'est. Bon, alors c'est aussi géographiquement, et parce que, comme je disais, je connais bien le coach, mais sinon, c'est plutôt cool. Club historique, stade un peu vieillot, mais qui a du cachet. Pour toi, Shai, Wiseman, bust ou pas? Oui, bah là, Wiseman, c'est plutôt un bust, oui. Le fait déjà qu'il n'ait pas réussi dans sa première équipe, les Warriors, que ce soit entièrement de sa faute ou non, c'est déjà une déception, et puis. Genre, c'est le genre de profil donc où tu te dis bah il va peut-être trouver le moyen d'être bon après. Et bah, pour l'instant, là aussi c'est compliqué. Hein. C'est un joueur qui a très très peu joué en université. Il avait l'histoire avec Penny Hardaway qui était son coach à Memphis, qui avait prêté de l'argent ou un domicile à sa famille, et du coup il avait été suspendu 12 ou 13 matchs, et il avait décidé après de pas continuer et de se préparer pour la draft. Ouais, c'est un bust, on peut pas dire autre chose. Ça veut pas dire que sa carrière est finie, mais il va lui falloir un contexte favorable. Et là, ouais, un match d'université qui quiche, ouais, je me souvenais plus, tu vois. Est-ce que j'ai vu? Non, j'ai pas vu Monaco Partizan. En arrivant, j'ai vu que Mike James avait envoyé le match en prolongation, mais je vous avoue que j'ai même pas regardé le score final, donc si vous l'avez, n'hésitez pas. Il est tellement en retard, je vous propose qu'il nous donne deux late sessions pour se rattraper. Vous verrez avec lui, hein, moi je suis pas son agent. Hein. Del Piero Baptiste Touta, bien entendu. Batigol et les cheveux. Je me souviens d'avoir lu un article de l'équipe qui disait que Jokic était une future superstar alors qu'il était à 7 points de moyenne et luttait avec l'Auvergne comme backup de Nurkic. Alors, je sais pas qui a écrit l'article, mais c'est très bien vu. Alors, on a vite senti quand même qu'il y avait un truc, qu'il y avait un profil pas anodin, mais quand même. C'était pas facile de dire ça deviendrait MVP, quoi. Donc, très très bon... Très très bon flair pour cette personne qui a écrit l'article Futur Superstar, c'était pas garanti. Shai, tu étais pour qui en 2016? Dis-moi tout, en 2016. En quoi? En basket? En basket, j'étais toujours pour Orlando et New York, et sur la finale, pas de préférence. Si c'est ça dont tu veux parler. Hein. Hoop Culture versus CQFR, vous êtes dans la sauce, Shai, non? Pourquoi versus CQFR? C'est deux de nos podcasts qui se complètent très bien, je trouve.
Alors c'est plus adapté à Théo qui est une bible en matière de culture hip-hop et basket, et à Pierre Armand aussi que vous connaissez peut-être pas si vous n'avez pas encore regardé, mais je vous le conseille d'ailleurs tous les dimanches Hoop Culture, allez voir sur la chaîne, c'est top. Ils ont lancé la concurrence côté Hoop Culture. Je vois pas de quoi. C'est un autre truc. Je suis à la masse. Donc pas regarder le dernier Hoop Culture. Non, j'ai pas regardé le dernier Hoop Culture. Bah c'est pour ça, ok. C'est pour ça que je suis à la masse. Je les regarde, je les rattrape et je l'ai pas vu encore. Donc vous voyez, je comptais me le faire tranquille demain en mangeant. J'ai pas eu le temps de le rattraper encore parce qu'il faut quand même se poser tranquillement. Ah, désolé Lou, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref du coup. Et pourtant Pierre Armand, je parlais avec Pierre Armand qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour m'insulter parce que quand je suis passé à Marseille, je suis pas passé le voir car c'est un Marseillais, il habite là-bas et je lui ai promis de venir le voir prochainement. Donc pas de rivalité évidemment. Mais ouais, j'écouterai pour voir ce que Théo a dit. Qu'en est-il de Josh Giddey? Il a pas l'air bien sûr, il a pas l'air bien sûr et en dehors du terrain, ça sent pas bon pour lui. Pour l'instant, ils n'ont pas prouvé qu'il était au courant de l'âge de la fille. Visiblement, la relation s'est arrêtée rapidement après. Donc non, pour l'instant, je pense qu'ils enquêtent. La fille et sa famille sont pas trop, ont pas trop envie de collaborer, a priori, avec la police. Enfin, soit pas envie de collaborer, soit pas envie d'accabler Josh Giddey, je sais pas. Je sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas. Il continue de jouer, donc pour l'instant, il n'y a pas matière à parler là-dessus. Je pense qu'on va attendre de voir ce qu'il en est. Le Partisan a gagné, merde. Bon, dommage. Wiseman, le Jean-Claude Duss de l'NBA sur un malentendu, ça peut passer. Jokic, le pot de mayonnaise au début. Ouais, bah, le physique était compliqué, mais il a réussi à s'affiner sans devenir un surathlète ultra. Il a gardé quand même un corps imposant, mais pas. Tant qu'il a les mains, de toute façon, les mains et le cerveau, ça suffit avec Jokic. Hein. C'est un génie. Est-ce qu'Antoine Pimel est un bust? Absolument pas. Antoine Pimel est un grand homme, sachez-le. Antoine Pimel n'existe pas. Je peux vous le dire que si, je l'ai vu en vrai, c'est pas comme d'autres. Hein. Antoine, j'ai vu en vrai, j'ai joué au foot avec lui, on a partagé des interviews ensemble également. Je peux vous le dire qu'il existe. Je redescends un peu pour vos messages parce que j'en ai raté pas mal. Salut Trotsky, je suis pas là, on peut commencer à parler des Pels. Bien les Pelicans, ça commence à. Ma petite théorie de l'équipe qui avance discretos au classement sans pression, je pense que c'est plutôt pas mal pour eux. C'est plutôt un bon scénario si Zion arrive à enchaîner les matchs, malgré les bouillons qui se prend sur TNT par Barkley et Kenny Smith notamment, sur son poids, sa condition physique, le fait qu'il joue les matchs au talent mais qu'il est hors de forme. Je pense que les Pelicans peuvent accrocher les playoffs, ce qui serait un minimum hein, vu la qualité de leur effectif quand même. Une fois qu'ils auront plus de blessés, je pense qu'ils seront un peu tranquilles. Antoine Pimel, c'est une intelligence artificielle deepfake. Une IA surdéveloppée. 20 cm de plus que moi, non, t'exagères, petit Jean. Je fais 1m73, il fait 1m90, je pense. Bon, 17 cm, j'avoue, t'as raison. Quasiment 20. Est-ce qu'Antoine porte des pantalons en velours? Vu son collier de barbe, c'est un prof d'histoire géo. Alors, on l'a comparé au capitaine Haddock la semaine dernière. Maintenant, prof d'histoire géo, je pense qu'il appréciera s'il nous écoute. Ingram, c'est tellement KD en plus jeune, lui aussi a un plafond de fou. Alors, c'est KD sur la minceur, entre guillemets, un corps très frêle, mais il est quand même bien moins grand. Et il faut pas oublier le bazar que c'est KD quand même. Hein. Sa taille, ça change absolument tout. Et Ingram a beaucoup de talent et j'aime quand il est engagé. Et lui aussi qu'il enchaîne bien les matchs, pas comme avec Team USA cet été où c'était une catastrophe. Mais c'est un excellent joueur aussi. Je veux dire, si c'est ton deuxième meilleur joueur, je trouve que tu peux. Enfin, je pense que tu peux être bien, ouais. Plafond de fou, c'est quoi son plafond, c'est ça? Est-ce que c'est le plafond franchise player? Est-ce que c'est le plafond juste All-Star, ce qui est déjà très bien? Je sais pas. Alors Antoine est dans la place, je vais le rajouter. Sauf si t'as envie de manger, Antoine, hein, d'abord, mais. D'accord. Alors, messieurs, dames, je vais prendre 2 secondes pour ajouter Antoine. T'étais réclamé, il y a même quelqu'un qui t'a comparé à un prof d'histoire géo avec le collier de barbe. Je ne nommerai pas cette personne, mais tu pourras aller te rencarder. Ça me dérange pas, j'étais pas mauvais en histoire à l'école. Alors, attends, parce que là, les gens doivent t'entendre en écho.
C'est à cette heure-là qu'on arrive. Ouais, je suis Non, désolé, non, hein. c'est pas moi, c'est les gens. Hein. Moi, je m'en fous, tu viens quand tu veux, mais. Ah non, mais ça m'a fait de la... Ça me fait... Tu gères vraiment comme un chef, hein. T'es très Ah, fort, hein. non, Je mais sais pas comment tu fais, mais... c'est les gens, c'est les gens qui sont. Nos lecteurs sont de qualité, ils arrivent à ce qu'on ait une discussion avant que tu arrives. Ah. Salut à tous. Oui, il y avait aussi une théorie selon laquelle tu serais une intelligence artificielle avec du deepfake pour le visage. Et je leur ai confirmé que je t'avais déjà vu plusieurs fois en vrai et que tu étais bien un être fait de chair et d'os. Ouais, plus d'os que de chair, mais... Salut les gars. Ah T'en sais rien, si je gère bien, ça se là là. trouve, Ouais, on s'est fait chier pendant 35 minutes. tard. Bye. Si, j'ai écouté un peu... J'ai écouté un petit peu pas dans la voiture, etc. en rentrant. Tu confirmes qu'il fait toujours moins une température négative et qu'il y a de la neige chez toi? C'est remonté à zéro, du coup on a l'impression qu'il fait chaud. Mais oui, il y a eu 50 cm de neige ce week-end. C'était. Pourquoi est-ce qu'on commence pas Comment à je peux 2h30 du m'énerver? C'était matin? tout était annulé, nos matchs ont été annulés, etc. Pourquoi est-ce qu'on commence pas la late à 2h30 du matin? Je Parce pense que que la je réponse suis un est. vieil homme qui ne peut pas tenir. Je pense que la réponse est dans la question. 2h30 du matin, c'est un peu. Et quoi? Et derrière, on enchaîne avec notre matinée, le CQFR et les enfants emmenés à l'école et les journées de boulot. On en fera, hein, on fera des lives à 2h30 pour les drafts, des trucs comme ça qui se finiront tard, mais je pense que pour l'instant, 23h, ça me semble être un horaire assez correct. Alors, de quoi vous nous Ouais, parliez? sinon. Soupe 31 qui nous disent, vous préférez pour cette saison voir LeBron prendre sa cinquième bague avec son Finals MVP pour l'histoire? Anthony Edwards prendre sa bague avec Rudy ou les Warriors champions avec Klay. Ouais, t'as des scénarios bien précis, Soupe 31. J'ai même pas vu le message. Il dit, les gars, vous préférez voir. Alors, entre voir LeBron prendre sa cinquième bague et Finals MVP pour l'histoire, Anthony Edwards prendre sa bague avec Rudy Gobert ou les Warriors champions avec Klay en MVP des finales. Moi, je vais mouiller. Aucun. Je vais Bon, allez, les mouiller. Warriors. Mais moi, je vais dire Minnesota pour Rudy. Je Voilà. savais que t'allais dire Mais Minnesota. Moi, j'aime bien Clay. j'ai vanté J'aime les Clay. mérites de Rudy et des Wolves avant que t'arrives. Et pour Bon, la bien fait. réhabilitation totale et le respect qu'il mérite, je pense que. Ça, alors imagine s'il a un titre de champion, ils pourront plus lui enlever ils pourront plus dire qu'il mérite pas le Hall of Ah. Fame, quoi. On entendrait trop les fans des Wolves jusqu'à la fin de la nuit des temps. Je peux pas Et vivre avec ça. tu connais beaucoup de fans des Wolves? Non, mais le peu de fans des Wolves sont très très bruyants. C'est une meute très dangereuse. Tu ne peux pas les voir gagner. Une meute. T'imagines 4 qui gagnent? Ah ouais, 4 ah qui merde, gagnent j'avais un pas. titre Ah non, j'avais maintenant. pas pensé à ça. C'est pas possible. On est Ah foutu. On est non. foutu jusqu'à la nuit des temps. T'imagines ce qu'on va entendre? C'est trop compliqué. Alors, tu peux signaler notre ami Levadé qui s'est abonné à nouveau, je sais que c'est ton. Ah oui, il évadait. Thanks for the Prime. 4e mois d'abonnement. Un bon. C'est pas grave pour le retard, Levadé, tu pourras rattraper si tu veux regarder, on mettra ça sur YouTube si tu veux voir le début qui consiste en moi qui blablate avec nos chers haters. Rien contre... Un bon ami fan des Wolves. Non, par contre, rien contre Wolves. Franchement, je le connais pas. 3 All-Star aux Wolves. Ouais, c'est possible. Edwards, Edwards Possible, 4 3 et All-Star Rudy. aux Wolves. On verra ce que ça donne, hein, mais c'est possible. Hein. On verra. Je me demande si tu devais prendre direct que deux All-Stars, tu prendrais Rudy et Edwards ou Rudy ou Kat et Edwards? Wow. Rudy est tellement fort Pas en simple. défense que. Pas simple. Hein. Ouais, j'avoue que je Je sais prendrais pas. Rudy et Edwards, moi, je pense. Mais même pas en haine envers Kat, c'est juste comme tu as dit, c'est la meilleure défense de la ligue. Mais du coup, je change mon pic. Hein. Du coup, je préfère les Warriors avec Klay Thompson MVP des finales. Je veux pas. Ok. Clay aussi, par contre, on l'entendrait plus pisser, Ah mais. putain, oui, c'est vrai. Mais je préfère aussi, ouais. Attends, il y avait une proposition de trade parce que je sais que Catch toi ce soir tu aussi. voulais nous parler un peu des trades et que là il y avait un truc. Pourquoi je ne le retrouve pas? C'était Siakam, ah non, Shai Fulz, OKK plus Peak, VS Brogdon, tu signes? Moi, je suis le Magic, je le fais pas. Attends, tu me parce que je ne sais pas pourquoi je le vois pas sur le chat. Fulz Ouais. plus OKK plus plus Peak, à voir quel Peak, contre Brogdon. Est-ce que tu signes? Bah, c'était un peu la théorie de Fred dans le podcast qu'on a fait, de Fred Young. Brogdon qui vient et tu sacrifies Fultz, mais Je veux bien sacrifier. Ouais, mais quel pic? Faut voir quel pic. j'ai peur de la santé de Brogdon en fait.
Par contre, il y a moyen que Fultz, ça saute en cours de saison maintenant que Jalen Suggs est en train de vraiment passer un cap. Ils jouent bien sans lui, ça tourne bien avec Anthony Black dans le 5. Ouais. Mais je sais pas si je le fais pour Brogdon. Faut voir le nombre de picks en fait. Faut voir quel pic. J'ai peur de la santé de Brogdon. J'ai l'impression qu'il a quand même un petit historique de blessure un peu chiante. Après, là, il joue plutôt pas mal. Quand il joue, il est bon. Hein. Quand il joue, il est bon. Ça ferait une vraie upgrade, ça, c'est clair. Tyus Jones, voilà, moi, c'est lui que je veux, moi. Je suis d'accord avec Lou. Brogdon, il est plus fort que Tyus Jones. Mais disons. Alors, D'Angelo Russell, plus Rui Hachimura, plus Reddish contre Caruso et DeRozan. Mais les Lakers, ils acceptent ça? Je pense que je suis les Lakers, je le fais. Alors, attends, ouais, je voulais dire, pardon, les Bulls, ils le font. Tu récupères Russell, Hachimura et Reddish. Zéro pic. Faut qu'il y ait du pic, ouais. Parce que s'il n'y a pas de garde de trucs pour l'avenir, moi, je le fais pas. Hein. Faut qu'il y ait du pic. Ouais, du pic avec, ouais. Mais oui, pourquoi pas. Le pic à la place de Reddish. Hein. Pour les Lakers, je le fais peut-être, moi. Caruso aux Lakers, ce serait top. Hein. Je vais vous mettre le lien de l'article d'Antoine, qui fait un gros taf, je vous en parlais tout à l'heure, sur des propositions de trade en mode trading machine. Trading machine. Je vais vous le mettre si je le trouve. Il est là sur la ligne et je vais vous mettre le lien. Parce qu'il y a pas mal d'hypothèses intéressantes. C'est des trades un peu qui, bah, avant la deadline, évidemment, qui changeraient un peu la phase de la NBA, c'est un peu l'intitulé que tu avais choisi. Et, ouais, après, faut le dire vite. Mais... Non, mais si, parce que depuis qu'il y a eu le trade de Jrue Holiday à Milwaukee, d'Aaron Gordon à Denver, alors ça a eu un impact, pas l'année même pour Gordon, mais ces deals-là qui semblent anodins parce que c'est pas des superstars, c'est parfois des all-stars, mais c'est pas des superstars, et ça peut changer la phase de la NBA. Pour moi, l'intitulé me va. Il y a des trades, ouais, ça peut bouleverser la hiérarchie, ouais. J'avais pas mis DeRozan ou Lakers dans le papier, j'en avais fait un avec Zach LaVine, justement. Alors, c'est ça, t'avais ton... Si vous êtes dans l'article ou pas, mais je peux vous le dire. Zach LaVine peut-il sauver les Lakers ou les Lakers peuvent-ils sauver Zach LaVine? Ta proposition, c'était les Lakers reçoivent Zach LaVine et Torrey Craig. Les Bulls reçoivent D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Torian Prince, Jackson Hayes, Jalen Hudskifino, des swaps en 2028 et 2030. Et un premier tour de draft 2029. Donc là, tu avais fait en sorte que ça matche au niveau des salaires et avec les pics. Donc ouais, ouais. Ça fait beaucoup d'assets échangés par les Lakers. Mais tu récupères LaVine et un défenseur, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ouais, je pense que LaVine, ça peut bien marcher à Los Angeles. C'est peut-être un peu le seul endroit parmi les grosses équipes où j'arrive à me dire que ça peut bien marcher. Ouais. Kerry a deux. Ah, mais Hayes, il joue pas. Hayes, il joue quasiment pas, en fait. Ah non, les Bulls, ils ont des pics. Hachimura. Markkanen ou Lakers. J'ai fait une propale Markkanen ou Lakers. Alors, on va la retrouver, celle-là. Mais elle est plus pour le fantasme. C'est ça, c'est ce que tu as marqué. Alors, Kikish Prince, il joue, mais il a bien commencé et il a nettement moins bien enchaîné. Et ouais. Pour le coup, maintenant que Vanderbilt est de retour, et si en plus tu récupères Torrey Craig, tu as moins besoin de Torin Prince, quoi. Qui a genre ses stats, elles ont vachement baissé. Je vous lis les Lakers ont quelques pics, ouais. Je vous lis ce qu'Antoine avait proposé pour Markkanen. Ouais, sachant que c'était presque une blague. Hein, tu le précises, tu dis celui-là, c'est un peu pour le fantasme. Ouais, mais je pense pas que ça peut se faire. Les Lakers reçoivent donc Lauri Markkanen, Talen Horton Tucker, qui ce sera un retour. Ouais. Et Utah en contrepartie reçoit Rui Hachimura, Austin Reeves. Je vois bien Austin Reeves avec un maillot d'Utah, je sais pas pourquoi. C'est peut-être totalement. J'allais dire raciste, c'est peut-être bon. Pas le cas, mais je sais pas. Jalen Hudskifino qui est un peu dans tous les trades, un swap, un premier tour. Voilà. J'avais mis qu'un swap et un premier tour. Ouais, oui. J'aurais dû mettre un pic de plus, je pense. Ça peut être pas mal, hein. Mais ils sont trop vieux, en fait. Ça n'a pas d'intérêt, je pense, pour le Jazz. Parce qu'au final, tu échanges un mec de 26 ans contre deux mecs de 25. Bon. Est-ce que les sont moins forts. Est-ce que les Lakers sont leur pic de l'année prochaine, on le demande. Non. Non. Donc c'est des futurs picks. C'est pour ça que tu as mis les swaps. Non, ils ont, je me souviens évidemment plus, en disponible, je crois, ils ont 2029 ou 2030. Ils peuvent échanger l'un des deux. Et après, ils ont des swaps sur plusieurs années, sur plusieurs saisons encore. Ils peuvent faire des swaps. Je pense qu'ils ont deux ou trois swaps de disponibles et un pick. Donc ils peuvent, ils peuvent faire un truc comme ça. T'as raison, Jubit, c'est absolument honteux. Et je me retire de la vie politique avec
Effet immédiat. Non, mais je voyais bien, je sais pas pourquoi. Et puis un joueur un peu excitant comme ça au jazz serait bien. Et Jeremy Grant, j'ai mis aussi une proposition pour Jeremy Ouais, Grant pour les Lakers. elle est très bien ta proposition parce que. Enfin, Jeremy Grant partout dans une équipe, n'importe quelle équipe, lui, ça peut être la pièce manquante dans plein d'équipes. Toi, ton trade pour le Grant aux Lakers, c'était donc les Lakers qui reçoivent Jeremy Grant et les Blazers qui reçoivent Rui Hachimura, Gabe Vincent, qu'aurait pas fait long feu si c'est ça. Ouais. Encore une fois, Jalen Uskifino, pardon, deux swaps, un premier tour potentiellement protégé en 2029 ou 2030. En gros, c'est trois picks et deux jeunes, quoi. On va dire que je sais plus qui est au milieu. Gabe Vincent, il sert à rien pour les Blazers. Ah, merci Atlanta BVX. Mais en gros, tu as deux jeunes, trois picks pour Jeremy Grant. Voilà, après, ça dépend des enchères évidemment. De qui va au-dessus, mais bon, je pense que ça peut se tenter. Je l'ai mis à Golden State aussi. J'en avais un Ouais. Golden State qui m'était inspiré par le podcast d'ailleurs. Je sais pas s'il y a Absolument. des. Est-ce qu'il y a des joueurs, sans même parler de trade, est-ce qu'il y a des joueurs que tu as envie de voir, tu sais, parmi les joueurs là qui sont vachement cités, les Grant, les Lavine, les Caruso, Brogdon, etc. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as envie de voir ailleurs? Ouais, je Et pense. où? Alors, il y en a pour lesquels malheureusement j'ai du mal à trouver une équipe qui convienne vraiment. Donc, par exemple, pour Lavine, on en a beaucoup parlé, j'ai du mal à me projeter. Je n'arrive pas à savoir. Mais Siakam, ouais. Voilà, le shrug, tu me dis au moment où j'y pensais. Parce que, bon, là, la période de transition des Raptors m'excite pas trop. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Et je Ouais. pense vraiment que ça peut être un joueur qui change tout dans plusieurs équipes. C'est, tu vois, ça, que ce soit. À un moment, on parlait de Dallas, il y a eu Atlanta, Indiana, tu vois. J'ai beaucoup parlé d'Indiana avant que tu arrives, que je trouve hyper excitante comme équipe, mais qui a besoin d'un mec plus. Bah, qui a l'expérience des playoffs, qui est complet, qui peut tempérer ce côté basket champagne qu'il nous envoie parfois. Et ouais, Siakam, je pense que j'aimerais vraiment beaucoup. Et puis après, sortir des mecs qu'on aime bien, type Caruso, le sortir de situations d'échec, enfin, d'une équipe un peu fat comme ça. Il y en a pas mal en fait, hein, quand même. Finalement, Brogdon, pas tellement. Son destin ne me passionne pas trop, même si à Orlando, il serait très utile. Ouais. Ouais, voilà ces joueurs-là, je pense. Mais vraiment, je pense beaucoup à Siakam. Je pense beaucoup à lui quand même pour un renfort ailleurs. C'est vrai que j'ai mis aucun trade de Siakam. On en a Je fait pas sais mal, pas. on en avait pas Ouais, mal parlé avant, hein, déjà. on avait fait plusieurs, ouais, c'est vrai. C'est pas simple. J'avais pas fait de trade de Brogdon non plus. Après, Orlando, ça a évidemment du sens. Caruso, je pense les Bucks, c'est impossible. C'est ce que je me suis rendu compte en y réfléchissant. Je pense que Caruso à Milwaukee, ça me semble impossible. Ils ont vraiment qu'un seul pick disponible, les Bucks, et c'est un second tour en 2024. Donc je pense vraiment que je vois vraiment pas qu'est-ce qui peut. Comment ils peuvent aller chercher un joueur comme Caruso sur lequel il y aura un marché, peut-être une hausse des enchères. Donc à moins que lui, très expressément, fasse comprendre aux Bulls, bah, si vous me transférez, envoyez-moi à Milwaukee. Je vois pas trop comment. Bogdan, ouais, Beauchamp, j'ai mis Beauchamp dans le deal. Ouais. Partira jamais, mais j'aurais kiffé un échange Desmond Bane, Klay Thompson. Si tu mets Klay Thompson à Memphis, je pense qu'il prend sa retraite. Il peut Y pas a les blairer. moyen, Il les y a déteste. moyen, y a moyen, y a Il moyen. déteste Jaren Jackson Jr. Je pense qu'il déteste tout ce qui touche de près ou de loin aux Grizzlies. Parce qu'il je pense qu'il voit, il l'a dit, hein, il voit un peu une équipe qui veut se prendre pour les Warriors de l'époque. Au début, l'équipe jeune qui monte. Bon, c'est fini, hein, on n'en est plus là malheureusement. C'est un peu la galère, mais. Je pense que si tu mets Clay à Memphis, il prend sa retraite instant. Où est-ce qu'il va mettre son bateau là-bas? Il fait quoi? C'est pas possible. C'est le but, Clay fatigue. Oui, ok, je vois. Tu le voyais pas jouer à Memphis. Tu veux juste Bane aux Lakers en fait. Aux Warriors, pardon. Bah, tu mets Bane aux Warriors là. Ah, C'est Ben énorme. Warriors, Ça, c'est solide. c'est devenu un super scoreur. C'est un excellent défenseur. Il est bien tête de con en plus. J'avais beaucoup aimé la manière dont il interagissait avec LeBron. Il y a un an ou deux là. Zéro respect. Zéro respect. Il est bon, Desmond Bane, c'est clair. DeRozan à Philly, est-ce que ça t'intéresse, DeRozan à Philly? Contre Marcus Morris, Daniel House, Korkmaz et des picks. Mais est-ce que les Sixers ont des picks? Là, je ne me souviens pas. J'ai l'impression que les Sixers ont très peu de picks disponibles. Mais est-ce que, oublions cette histoire de picks, est-ce que tu aimerais bien voir DeMar DeRozan aux Sixers? Je crois pas.
Moi non plus. Je crois pas. C'est quoi, tu fais un bac courte maxi DeRozan, du coup? Ouais, moi j'aime Non, j'aime pas. pas. Moi non plus, ça me plaît pas. Je suis pas J'aimerais. fan de DeRozan affilée. Pour Philadelphie, j'aimerais un shooting guard super fort défenseur. Caruso. Voilà, ben pourquoi pas? Mais Bah pour couvrir un peu, parce que Maxi, je pense que même malgré son fantastique début de saison, c'est encore un joueur que tu peux abuser ou cibler en playoff. Il faudra un mec un peu qui, tu vois, un méchant défensivement à côté, je pense. C'est pas le cas de c'est vrai, DeRozan. on nous dit le hit pour DeRozan. J'ai vu justement qu'il y avait Ouais. une rumeur là-dessus, là, qu'il C'est y pas a une mal. rumeur sur le fait que le hit serait intéressé par DeRozan. Ouais, DeRozan serait pas mal. Ouais, C'est marrant, ils c'est auraient bien. avec Butler les deux joueurs mid-range un peu Ouais. qui décortiquent à mi-distance. Est-ce qu'une équipe de DeRozan, pas de Def et du mid-range, c'est de 2014? Ouais. Pas faux, Ah, je. Miami, je pense, c'est pas contre. Qui d'autre pourrait en avoir? Après, il y a des équipes qui peuvent en avoir besoin. Hein. Moi, je vais te dire Mais qui je bon, c'est. voulais. Je voulais que Vas-y. DeRozan. J'aurais bien aimé que DeRozan aille aux Clippers, mais bon. Moi aussi, j'aurais bien voulu à un Après, tu moment. connais, j'ai un soft spot pour les retours à la maison, tout ça. Mais il y a un moment, je pense que ça avait du sens. Ça avait du sens. Bon, maintenant qu'il y a Harden, ça sert pas à grand chose. On va pas empiler des mecs. Mais à un moment, ça aurait eu du sens, ouais, je pense. Ce qui serait ironique, c'est que les équipes comme Charlotte ou quoi, ils tentent d'aller chercher DeRozan en fait. Ouais, ça va. D'autres équipes faibles. Lui qui aimerait se battre pour le titre, ça va pas lui faire du bien au moral, ça, s'il finit à Charlotte. Lavine à Miami. On a parlé aussi de Lavine à Miami parce que on pense que c'est le genre d'équipe qui pourrait le. Alors, je sais pas, le débloquer défensivement, c'est un peu utopique, hein, mais ça défend tellement bien autour qu'il pourrait le planquer, quoi. C'est un peu l'idée. Mais est-ce que si t'es Miami, tu préfères avoir Lavine ou Tyler Hero? Si on parle de l'âge, de tout, tu vois, tu prends tout en compte, quoi. Est-ce que tu. Personnellement, je préfère Lavine, mais je préfère pas Lavine à 40 millions de dollars par an, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Je parle vraiment de tout, du contrat, Après, ouais, Hero souvent blessé. Non, mais je dirais quand même Lavine. Je préfère quand même Lavine parce que faudrait pas qu'il devienne tellement surcoté au niveau du contrat enfin, il va finir par en devenir sous-coté si on oublie que c'est un super attaquant, quoi. On me répond pour les Sixers. Alors, 27, ils l'ont pas. 27, il va à Brooklyn. Et du coup, il est protégé aussi sur 2028, donc je ne peux pas envoyer 2028. Je pense qu'ils ont 2029-2030, mais du coup, si tu envoies 2029-30, tu peux faire qu'un swap. 2024, ils doivent l'avoir. Ils n'ont pas 2025. Ils n'ont pas 2026, parce que justement, il y a les protections, et ils n'ont pas 2027. Donc en gros, là, les Sixers, comme pick, ils ont 2024, tu ne peux pas l'envoyer, tu peux que le swapper. Ouais. Ils ont 2024 que tu peux swapper. Ils ont un 2026. Ah, par contre, ils ont des. Ah, ils ont. Par contre, les Sixers, ils ont des picks d'autres équipes. Ah, ils ont des picks d'autres équipes. Ils ont des picks des Clippers. Ils peuvent toujours balancer leurs picks des Clippers. Par contre, je OK. viens de voir, ils ont des picks des Clippers. Ce qui peut être pas mal. En plus, des picks assez lointains des Clippers 2029, tu sais, potentiellement après Kawhi. Donc, il y a quand même des picks à Philly. Il y a quand même du pick à balancer. Il y a du D'accord. pick, il y a du swap. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Killian Hayes aux Spurs. Ah, pour le Ouais. côté, allez, il faut un meneur, on va ramener un meneur français Bah, pour être avec Wembanyama. j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Mais alors du coup, tu donnes quoi pour faire venir Kylian? Qu'est-ce que les Spurs ont qui peut intéresser les Pistons? C'est ça le. Sais pas, c'est dur les trades comme ça. D'une équipe, un jeune, d'une équipe de jeunes à l'autre, ça se fait rarement en fait. Si Bah tu ouais, regardes bien, c'est pour c'est ça. des trades qui se font pas. C'est pas simple. Je me demande, est-ce que. Oui, d'un côté, je trouverais ça cool. Killian Hayes qui joue dans une autre équipe en construction avec plus de d'opportunités. Et d'un côté, je me dis, est-ce qu'il peut pas être aussi dans une équipe forte, Killian Hayes paradoxalement, je sais pas, Ah bah avec des bons shooters autour. je pense qu'il sera bien meilleur. Enfin, lui, il Ouais. sera meilleur que dans une équipe comme ça où c'est à peu près sûr ça. Et Ouais, tu du vois, coup je les sais pas, Spurs, qu'une bonne équipe qui a besoin ça. d'un backup. Les Spurs, ça rentre pas d'un coup dans la conversation, quoi. Est-ce que Killian Hayes au Brooklyn Nets, il serait pas intéressant, par exemple? Je pense que c'est un bon exemple. Je sais pas quelle autre équipe, mais Brooklyn, ça me semble pas mal. Vu sa cote, t'as pas grand chose à donner. Je sais pas quelle. Sa T'as le cote. hit en ferait quelque chose de Sa hit, cote, j'ai grave. l'impression, il y a des. Non, mais il y a des. Après, je sais pas au sein des front office, hein, mais tu sais, t'as des mecs comme Kevin O'Connor qui sont fans hardcore de Kylian Hayes, qui croient toujours en lui. C'est quand même des mecs qui discutent avec les GM, qui sont un peu connectés à la pensée générale. Alors, il y a beaucoup de monde qui a lâché Kylian Hayes. Hein.
Il y a pas de problème. On dit pas qu'il est phénoménal depuis. Ce serait un mensonge. Mais je trouve que, enfin, on dit pas assez que quand il fait des choses bien, c'est-à-dire des matchs avec peu de pertes de balles, des passes. Non, mais surtout, on se concentre trop sur son tir, quoi. Bah voilà. Après, forcément, un meneur en NBA en 2023, tu t'attends à ce qu'il développe un truc. Mais moi, je pense qu'il a c'est le genre de joueur qui a besoin d'un changement de contexte. Après, s'il se foire dans la deuxième équipe, dans sa deuxième équipe NBA, on dira que c'est pas fait pour lui. Ça, y a pas de problème. Mais je suis pas aussi pessimiste que beaucoup, je pense. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un joueur que j'aime bien. J'ai vu une offre Ace contre des second tours. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être juste deux second tours. Mais faudrait. Mais Monty Williams le fait jouer. Donc, je vois pas pourquoi. En fait, au final, ils le font jouer pour l'instant, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord. Il a plus le profil d'un mec qui performe dans un contexte solide. C'est possible. Après, ça se trouve, s'il était le meneur titulaire du Jazz avec 35 minutes par match tous les soirs, il finirait peut-être par progresser aussi, quoi. Tu vois, mais. Pour ça, on peut Imagine lui qui pas. joue des pick and roll avec Mark Cannon, des pick and pop. Enfin, on verra à l'avenir de Killian Hayes. C'est vrai que c'est difficile, mais je trouve que, tu vois, contrairement à Ntilikina qui a jamais réussi à quasiment rien montrer, Killian Hayes, il montre des choses, quoi. Si je vous donne ses stats, je les ai sous les yeux. Il a 9,5 points par match, 43% au tir, ça doit être sa meilleure perf en carrière, 32% à 3 points. Il y a quand même des mecs qui font pire. Alors, c'est pas très beau, mais il y a des mecs qui font pire. Il a plus de 4 passes, alors qu'il perd moins d'un ballon, et il a plus d'une interception par match. Et fait voir son plus-minus, et ouais, quand même parmi les mauvais de Détroit, mais c'est normal, le 5 majeur de Détroit se fout. Il lui faut une équipe moyenne-basse mais organisée un peu comme Memphis en ce moment. Pourquoi pas? Alors, le seul truc dont j'ai Mais peur, il c'est reste que. zéro spacing. C'est-à-dire que pour Ntilikina, pour refaire le parallèle, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, je me disais tout le temps, bah, dès qu'il va pouvoir se barrer de New York, ça va le faire, il va trouver un autre contexte, un meilleur contexte. Et au final, je pense qu'il a tellement été atteint par la médiocrité qu'il y avait au Knicks à ce moment-là. C'est-à-dire que le mec, il a connu genre 4 GM, 4 coachs. C'est vrai, hein, enfin, s'il mangeait. Le, il a, il a, le triangle, il a connu l'attaque en Il a connu triangle. l'attaque en train avec Phil Jackson et Derek Fisher, enfin. Et les mecs d'après, bah Hornacek, ça a pas été fou. Enfin. Il a eu Kurt Rambis qui faisait des séances de yoga à la place des Et comment entraînements. il s'était. J'ai perdu le nom de celui qui faisait Take That for Dada. C'était Fizdale. David Fizdale, ouais. Fizdale. Mais tu vois, donc ce que je disais, c'est que j'ai peur je pense que Ntilikina a été tellement contaminé par la médiocrité qu'il y avait et l'incertitude que son contrat d'après, même avec Dallas, ça a pas. Il a eu des phases où il était intéressant défensivement, mais ça lui a pas servi. Donc il faut éviter d'être trop longtemps contaminé par la médiocrité. Ça vaut pour Killian Hayes. Je pense que ça vaut aussi pour Bilal Koulibaly. Faut espérer que ce soit au moins qu'il y ait une ligne directrice, comme je disais tout à l'heure, mais on verra bien. Ntilikina avait Ouais. Emmanuel Mudiay comme leader. Oui. T'as Moody aussi, talent gâché, quoi. Talent gâché qui a essayé de jouer à C'est l'étranger plutôt qu'en fac. un des premiers mecs sortis de G-League, non? Non, Oui, non, il était où? Mudiay, il Il était était... parti en Chine une année. Ah, en Chine, ok. J'avais Pardon. fait un article Ok. sur lui dans un reverse Ouais. jadis dans nos anciennes versions. J'aimais bien le garçon en fait, et j'aimais bien ce qu'il faisait chez les jeunes. Le choix de la Chine, alors ça se justifiait, hein, il prenait 1 million de dollars et il mettait sa famille à l'abri. Sa mère qui trimait, il avait expliqué, c'était très très, ça se comprenait, mais je pense pas qu'au niveau basket ça lui a beaucoup servi quand il arrivait par contre. Pas une sœur de la batte. Il n'y a pas tort. Tu fais des kick-outs pour Ozar Thompson et Isaiah Stewart. Ozark est à 13%, on nous disait tout à l'heure dans le chat. À 3 points. Ouais. Mais bon, il y a le reste et puis il y a le contexte autour toujours. C'est très très Ouais. important le contexte. Je sais que je le dis souvent, hein, mais. 13%, c'est ses débuts. Puis il prend pas non plus 7 tirs par match, quoi. Il serait à 13% avec 6 ou 7 tentatives par match. Et on prend. Je sais pas, je vais regarder au total. Là, je suis sur per game. En gros, il a pris Ozar Thompson. Ouais, il a pris 37 tirs à 3 points quand même. Il en a mis 5, quoi. J'avais pas vu Cazalon, il a joué un match. Il a pas tilté. Il est sorti de. Il est reparti en G-League du coup, je Ouais. pense. Ouais. C'est toujours 13% mieux que Ben Simmons. Ben Simmons s'y joue pas, le pauvre. OM Lyon, un prono. Ouf, j'avais oublié ça. Oh, l'OM est tout à fait capable de lancer la saison de Lyon, c'est ça le problème.
Match nul. Ouais, Ce mais serait la nul. logique entre deux équipes nulles. Nul, voilà, nul, vraiment dans le sens nul du terme. Ouais, c'est. J'aurais dû rester à Marseille parce que l'OM perd pas quand je vais au stade. Les stats sont bonnes. Bonne série, l'OM ça va mieux. Oh, franchement, les matchs ils sont moches. Hein. OM Rennes c'était Toi, dégueulasse. t'as vu des buts, n'empêche, quand t'es Ouais, allé mais du tu veux que coup. le scénario t'es top? Ce que je disais tout à l'heure quand on me posait la question, c'est le scénario cool, 4-3, but à la dernière minute. En plus, j'étais derrière la cage. J'étais juste derrière la cage pour le ciseau d'Aubameyang là. Mais le niveau de jeu, c'était rude, hein. Et contre Rennes, c'était horrible, les deux équipes. Bref. Ben Simmons, même dans ses rêves, il loupe à 3 points. Ouais. Mais Ben Simmons, il n'a pas besoin de mettre des 3 points pour être performant. Mais il loupe pas, il loupe pas, il tente pas. C'est ça le truc. Ouais, il tente pas. Si, si, il avait un pourcentage pourri en tentant, ça. Ah, une question pour moi. Ça fait au moins 10 jours qu'Antoine m'a pas vanné avec Memphis et mon pronostic de la remontada. Qu'est-ce qu'on attend du retour de Ja? Bah, Ah oui, je le sais. scénario positif, c'est il donne un coup de fraîcheur à l'équipe et il retrouve son niveau d'avant du scandale Pampan, là. Hein. Et l'équipe recommence à ressembler à celle qui était prometteuse l'année dernière. Mais moi je pense qu'il doit juste faut juste ne pas faire parler de lui quoi, c'est tout. Juste sur le terrain, des grosses perfs. Qu'il essaie pas de nous faire une com comme il essayait de faire genre je suis dans la salle du temps, je me régénère, j'arrive, tu vois. Non, juste ça joue, ça parle pas et alors c'est que difficile de demander ça aux Grizzlies mais Est-ce qu'il va revenir dès la fin de ses 25 matchs de suspension? oui. Est-ce qu'il y aura du conditioning? Oui, non mais il va jouer. Enfin, il va peut-être Ah, être mais dès les 25 ou... oui, limite de temps de jeu, je pense, au début, peut-être. Après, Ouais, si peut-être. l'équipe n'a plus rien à perdre, plus rien à Ils sont gagner. que à 3 victoires du play-in au final. Ah, 4 tu vois? victoires. Donc, tu vois, le pronostic est possible encore. Alors après, il faudra voir à la fin des 6 matchs qui restent là. Mais ça va un peu mieux. Ils avaient fait 1-8 et là ils ont fait 4-6 sur les 10 derniers. Donc, Waouh! Est-ce que vous avez vu la vidéo des joueurs des Nets qui devaient citer les joueurs français d'NBA? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu ça. Et quoi, ils sont nuls? Ils sont nuls à chier, c'est ça? Ils arrivent pas à. Moi, ça me fait. En même Là, ton temps, truc. c'est pas simple, hein. Ton truc, ça me fait penser. Son truc, ça me fait penser quand ils vont dans la rue, demander aux Américains de situer les pays. Enfin, ça, si ça, c'est un vrai nom de pays, si c'est en Europe, machin, ils sont à la ramasse totale. Peut-être qu'ils ont inventé des noms de joueurs français. Aïe, vous connaissez que Wembanyama, peut-être Batum pour certains, Gobert. Wembanyama, J'imagine. is that how you say it? Mais est-ce qu'ils suivent leur ligue quand même? Les mecs, Alors tout ça, le monde répète son. c'est une autre question, ça. Mikal Bridges, il connaissait pas un mec. Ah ouais, c'est dur, ça. Oh bah putain. Pardon. C'est compliqué quand même, Wembanyama, tout le monde prend son nom en boucle depuis. J'ai une pub d'ailleurs. Hein. Pour la team qui n'est pas abonnée, j'imagine que vous aussi vous avez la pub. Alors voilà. Vous pouvez pas m'entendre, je suis con, je suis en train de parler, mais en fait, la team pas abonnée. Je vais attendre la fin de la pub. Ah non, Je suis oh, moi, elle dure 1 minute la pub. Vas-y. quand même étonné que Michael Bridges ne connaisse aucun. Mais après, il y a des coachs qui en parlent. Hein. Je sais plus qui parlait de. Je sais même plus de quel joueur ça concernait, mais je m'étais justement dit que c'était intéressant. C'est que ils sont étonnés quand tu as des joueurs qui regardent des matchs en dehors de leur propre match, qui regardent, qui s'instruisent, quoi, qui regardent d'autres ligues. C'est des matchs universitaires. Alors souvent, les mecs qui regardent quand même les matchs de leur fac. Hein. Mais ouais, peut-être au niveau culture, c'est pas ouf. Ah, les mecs, il n'y a pas une forte envie de suivre. Après, ça dépend des gens, je pense, mais quand même, pour citer aucun Français, alors que c'est le troisième pays le plus représenté dans la ligue, faut y aller. Shai, ils regardent même pas leur match, ils regardent les highlights. Les highlights de quoi? J'ai pas suivi, désolé. Il est tard. De quoi parlons-nous? L'anecdote sur Ibaka et Kawhi, il est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? En même temps, il s'intéresse à rien de rien. Kawhi était passé dans l'émission de Serge Ibaka, il n'avait aucune idée que Serge était congolais. Ah oui, non, mais les Américains et la culture, c'est très compliqué. Après, c'est pas toujours de leur faute. Hein. À l'école, on leur apprend surtout l'histoire des États-Unis. Hein. Mais même sur des trucs basiques, hein. Moi, je me souviens de mon coloc à New York,
quand il me disait, mais c'est qui le président chez vous et tout? Alors à l'époque, c'était François Hollande. Et donc il me dit, mais alors, il est plutôt quel, en gros, quel politiquement, c'est quoi? Je lui dis, bah, c'est un socialiste. Et donc plutôt à gauche et tout. Il me dit, et genre, il a fait un truc d'effroi, genre socialiste, genre communiste. Mais vous êtes affilié à la Russie ou un truc. Il pétait des câbles. Je dis, mais non, non, en France, c'est une forme d'alternance. Hein, mais c'est vrai que vu que politiquement, c'est toi qui le disais la semaine dernière, les démocrates, c'est notre droite, quoi. Ah bah, Et les républicains, c'est une forme d'extrême droite. Mais bon, nous dérivons un peu. ça repartir en image de Philippe Poutou en Ibaka se souvenait plus lui-même qu'il est devenu espagnol. ouais, il doit pas se considérer vraiment comme espagnol, Ibaka. Je comprends d'ailleurs. Ibaka lui a fait bouffer une botte de taureau. Non, une botte, ah non, peut-être pas une botte, ça Une devait bite, être. une bite, ouais, une bite, ouais, je me souviens, j'ai vu ça. C'est véridique. Ah ouais. Ouais. Et il l'a mangé, ce con. Bah ouais. Oh mon Dieu. Meurs Ouais, pourriture c'est. de communiste. Très belle ref. Même l'histoire des États-Unis, c'est compliqué. 300 ans d'histoire, dont 200 de révisionnisme et glorification des sécessionnistes dans beaucoup d'États. Effectivement. J'ai une question pour le samedi, mais c'est une question de later. Est-ce que le niveau de matabilité de certaines équipes ont changé depuis le début de saison pour vous? On s'était pas dit qu'on essaierait de faire un pod pour Faudrait actualiser qu'on un fasse peu. une tier list à un moment là, Ouais, sur ça mais c'est là. une très bonne question parce que je pense que ça a beaucoup changé depuis le début. Alors Alors. il y a des équipes qui n'ont pas trop bougé, genre Indiana qui était déjà bien matable et toujours très matable, OKC aussi, mais il y a des équipes, ouais, c'est forcément beaucoup moins matable. Et c'est une bonne question, je pense qu'on actualisera ça. Ouais, faudrait qu'on se fasse une petite tier list Ouais. de on peut essayer de se préparer ça pour la semaine prochaine. Ouais. Le 5 européen vs le 5 ricain, non, je pense que ça n'arrivera pas. Sauf pour les Pas tout de Portland suite. Stars, ouais, j'ai pas l'impression qu'ils aillent dans ce sens-là. Alors là, ils repartent sur un truc Est-Ouest quand même, sans Je draft pense du qu'il coup. n'y a pas encore assez de super talents européens. Parce que tu vois, ils ont peur, t'imagines, ça veut dire parmi les ricains, il y a quand même des mecs qui se font couper et le 11e homme que tu prends chez les Européens, tu vois, c'est des mecs qui n'auraient pas été All-Star, quoi. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de stars quand même pour qu'on se dirige vers ça. Les sélections All-Star ont une importance hein, pour les mecs. Il y a des trucs liés au contrat. Ouais. Il y a, il y a des. Il y Pour a le prestige, le des. CV, hein, ça reste pas mal quand même. Pour les primes, il y a plein de clauses en fait liées à ces All-Star. Et puis même maintenant pour les Supermax, etc. etc. Bah voilà, ça priverait trop les Américains, je Mais pense attends, donc aussi. attends, mais ce serait qui, genre le 11e joueur étranger, c'est pas non plus. C'est pas Chedi Osman non plus. Non, je pense pas, mais on peut essayer. Tu regardes. Donc, il y a qui? Je vais noter en même temps. Alors, tu prends Jokic en Tu tête. prends Jokic et Yanis. Ouais. Ok? Jokic, Yanis. Tu prends Luka. J'allais dire, tu prends Joel Embiid, mais plus maintenant. Allez, imaginons. Imaginons. Imaginons qu'Embiid passe encore. Ok? Alors, on peut même faire son Embiid. Hein. C'est vrai que c'est. Regarde ce qu'il nous Imaginons propose. pour l'instant, on garde Embiid. Je Ok. te propose, on garde Embiid. Il y a Mais il va y avoir beaucoup de pivots. Shai Gilgeous-Alexander qui est Ah oui, on fait les canadien. internationaux, putain, mais oui, pardon, je suis con. Alors attendez, il y a Shai, il y a Gobert, il y a Embiid, il y a Sengun peut-être. Wagner, c'est bien ça. Wagner, je suis d'accord. Murray, Jamal Murray. Oui. C'est les Canadiens qui rehaussent le. Ouais, les Canadiens haussent le ton, du coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'en ai 9. J'en ai 9 là. Siakam. Siakam, allez Siakam, si vous voulez. Et après, vous allez voir à quel point on pénalise des quinries. Sabonis, c'est un international lituanien, mais il est né aux États-Unis, ce qu'on l'a, non? Sabonis, non, mais Sabonis, il compte comme européen, pas la Ok. carte américaine. Ok. Sabonis, il n'y a que des pivots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11, après on peut taper dans l'australien, du coup. Ouais, Victor, et il peut y avoir du Victor. Mais vous Franchement, voyez, ça se tente, ça hein. descend. On peut mettre Victor. Mettre Victor, pas de soucis. Mettre Valence Funas, on est à Ouais, 13, on est un peu au-dessus, mais. 4, ça peut, il rentre dans l'eau aussi. Ouais, on va dire que 4, il compte en international. 4, ok, on est pas mal. Bah c'est bien quand même, il n'y a pas besoin d'aller gratter trop loin. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, déjà, on n'a respecté aucun poste. Si on avait respecté les guards et tout, C'est vrai. là, en vrai de vrai, ouais, parce qu'il y a Porzingis, voilà. Mais vous voyez, c'est que des grands, il n'y a que des grands, hein.
Là, on peut couper la moitié de notre liste et essayer de remplacer par des arrières. Et là, sur les arrières européens, internationaux, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi Gordon? Quel Gordon? Ah, Eric Eric Gordon. Gordon, bah, qui joue avec les Bahamas. C'est compliqué, Eric Gordon, quoi, si c'est lui ton All-Star. Parce que là, du coup, si tu fais chez les Américains, bah, très vite, tu te mets à couper des mecs qui sont à. Je sais pas. Est-ce que Jaylen Brown, il mérite moins d'être All-Star que Valanciunas? Ouais, mais là, ouais. Non, non, Vous voyez ce évidemment, que je veux mais. dire? Dommage C'est, pour ça me semble Banchero. compliqué. Ça me semble compliqué, même pour les. Regarde, les meneurs. Les meneurs, si tu mélanges les deux conférences, donc tu as Curry, Haliburton, il y a un troisième meneur, je sais pas, par exemple Lillard, et du coup, derrière, tous les meneurs stars, forts, bah, ils sont pas pris, quoi. Ils sont pas Ouais. All-Star, et dans l'autre équipe en d'en face, si là, on prenait que des meneurs, on se concentre que sur les meneurs internationaux. Il y a Luka, ok, Jamal Murray, ok. La Shea, du coup. Enfin, Shai en c'est un arrière, guard. allez, il faut qu'on trouve quatre guards. On a trois guards. Un Bogdanovic, peut-être, au final, mais attends, Mais réfléchis. t'imagines si Bogdanovic c'est le quatrième garde. C'est compliqué quand même. Wiggins, c'est plus un guard maintenant, hein. Puis c'est pareil, Wiggins c'est compliqué si c'est lui le quatrième garde de l'équipe des internationaux. Ouais, pour cette année, c'est sûr. Tu vois, donc moi je pense que c'est ça Mais je suis marche assez pas entre d'accord eux. avec Levadé. Je me demande si ça permet, si l'intérêt final est pas justifie pas le sacrifice de 3-4, tu vois. Ça me Ouais, dérange mais pas en fait. ça va l'être sur combien de temps en fait? Sur les trois premiers? Tu vois ce que je veux dire? Sur les trois Ouais. premiers, peut-être ils vont les jouer à fond. Et après. Ouais, Schroeder. Mais t'imagines, Schroeder, il est All-Star. Pendant ce temps, les Jalen Brunson, ils ont fini leur carrière jamais All-Star parce qu'on a changé le format. Tu vois, donc du coup, il n'y a pas de Jalen Brunson, il n'y a pas de Mikal Bridges, il n'y a pas de Darius Garland, il n'y a peut-être même pas de Jimmy Butler. Tu vois, tu changes toutes les. Il n'y a pas de Tyrese Maxey. Je sais pas. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de donner l'avantage du terrain au vainqueur. C'est injuste, mais les confs divisions ne se valent pas dans tous les cas. C'est ce Non, qu'ils faisaient en MLB, ça, mais je sais pas si. mais sinon, il faut juste accepter que c'est un match de gala en fait et qu'il y a pas qu'il y aura... qu'il y aura jamais un. C'est un match amical quoi à la base, c'est un show, hein. C'est pas. Ouais, mais même le show en tant que tel, je sais qu'avant les supports, les fans. Tu sais, le grand public qui regardait pas. Moi, quand j'étais petit, je regardais l'All-Star Game. C'était immanquable parce que je savais que j'allais voir des trucs de fou. Machin. Je pense que même maintenant, on a tellement d'images de basket que un All-Star Game, enfin tout le monde, même le fan de base, il se rend compte que c'est nul, quoi. Ouais, mais est-ce que les petits, justement, qui avaient 10, 11 ans, qui kiffaient le All-Star Game comme toi à 10, 11 ans, est-ce que eux. Après, il y a pas si longtemps, il y a eu des All-Star Games un peu serrés, en fait. C'est juste que dans la. Après, oui, c'est sûr, ils jouent certaines. Les époques ont changé. Il y a eu une époque où les mecs jouaient le All-Star Game parce qu'ils n'avaient pas le recul. Ils jouaient le All-Star Game comme un autre match et ils jouaient ça, entre guillemets. Pas, il le jouait pas à fond, tu vois, mais il y avait vraiment de l'engagement. Mais après, ça s'est perdu et je pense que ça se retrouvera pas. Il y aura des soirs, il y aura quelques fois, quelques années où ça sera disputé. Il y aura quelques beaux All-Star Games. Il y en a eu il y a pas longtemps. Il y en a quelques-uns, tu vois. Et puis, je pense aussi qu'on a vieilli, qu'on est moins attiré par ça. Je suis sûr, hein, qu'au début des années 2000, il y a des mecs qui avaient vu les All-Star Games des débuts 90, fin 80. Qui regardaient déjà pas le All-Star Game du début des années 2000 en te disant ah non mais ça m'intéresse pas, juste ils avaient vieilli en fait, c'est C'est tout. possible, c'est pas impossible ça. Enfin, Hein. je pense. Non, t'as peut-être raison. Et pour les audiences, oui, c'est en chute libre aussi. C'est pour ça qu'ils réagissent et qu'ils essaient de faire des choses, notamment un retour à un format plus ancien pour la sélection. Est-Ouest, maillot rouge contre bleu, voilà, c'est ça. Après, je sais pas si c'est bien, mais ce que ma théorie ou ma proposition, moi, enfin, c'est pas vraiment une proposition, mais si l'intérêt pour le In-Season Tournament se développe, je me demande si le Final Four, ça va pas être un rendez-vous qui remplace le All-Star Game en termes d'attrait, tu vois. Si les gens vont pas se reporter, si on va pas avoir la même hype. Le format un peu coupe et tout, que les gens, ou le public qui vient pas souvent va, bah comme les mecs, je dis les mecs, comme les gens, hein, qui regardent pas beaucoup de foot, mais qui vont regarder la finale de la Ligue des Champions, qui vont regarder la finale de la Coupe de France. C'est un truc un peu unique, exceptionnel, j'ai l'impression que ça peut remplacer. Alors que là, le All-Star Game, c'est long, le concours de shoot reste le truc que moi j'arrive encore à regarder un peu. Mais les dunks, on s'emmerde, le rookie, enfin l'espèce de variante qu'ils ont fait avec les rookies. Select Pardon. team et tout, c'est Non, naze. mais ça, Le rising, c'est pas bon, quoi. mais personne plus, ouais.
À voir. À voir, on verra. Les audiences, elles sont catastrophiques, je me souviens Elles plus. sont pas bonnes, ça baisse fort. Aux États-Unis, en tout cas, c'est pour ça qu'ils essaient de réagir et qui tous les ans ils tentent des nouveaux trucs, ils essayent un peu d'adapter parce qu'ils voient que ça prend pas. Après, c'est vrai que quelqu'un nous disait, je sais plus qui c'était, mais c'est vrai qu'il y a une époque, il n'y avait pas autant de matchs, il n'y avait pas autant d'accès aux C'est matchs. ça. Pour moi, c'est ça, hein, le Et du coup, tout le monde principal. avait faim et tu voulais voir le All-Star Game. Là, aujourd'hui, tout est à portée de vue, quoi. Alors, OK, 4,6 millions en 2023. Du coup, celui d'avant, c'est 6,3. Moi, j'aimerais bien savoir celui de 2021, tu vois. Après, est-ce que le premier, oui, le premier après la mort de Kobe, où ils avaient fait un truc tout autour? Je sais pas si les gens ont regardé tant que ça. Mais après, il y a l'audience, il y a le retour des gens, le feedback, il est pas bon du tout. Enfin, très peu de gens Oui, disent, ouais, là qui c'était est pas bon. génial, incroyable. Moi, je suis un foutu de te dire les derniers gagnants des concours de dunk, à part Si McClung l'année dernière, mais. Oui, moi non plus. Mais bon, après, c'est de toute façon, c'est des trucs qui sont durs à se renouveler, hein. Même le concours de dunk, quand tu y réfléchis, c'est pas simple. Tu vois, il y a tous les dunks qui ont été faits. Ah, bref. Ouais, et puis tant que les stars se mouillent pas et elles ont aucun intérêt à se mouiller, bah tu peux pas. Enfin, sinon si on pouvait mettre du Ja Morant, enfin, des mecs qui sont capables de tenter des trucs un peu fous, qui. Ouais, à la limite dans les adaptations, cette idée du tournoi dans un contre un là. Alors Ouais, ça peut être marrant. les stars s'y impliqueront pas non plus parce que c'est dangereux pour l'image de marque, pour physiquement, je pense, si tu Il y joues en a quelques-uns sérieusement. qui vont y aller, je pense. Le 3-3, c'est bien, je pense. Un 3-3 avec des anciens, ouais, ça peut être cool. C'est le genre de truc où Joe Johnson, il va encore être All-Star MVP du truc. Il va être invité, il va gagner. Le problème du 3-3, c'est que si t'as un mec qui défend pas, ça nique tout. C'est vraiment, s'il y a un gars qui défend pas en 3-3, c'est foutu, quoi. Faire des pauses pour recréer la demande, moi j'y pensais dans les propositions, mais la valeur de la sélection All-Star Game, du coup, elle est Non, mais différente il parce parle de que. pause pour le concours de dunk. Ah ouais, pas en général, ouais, ok. Chute depuis 2003, ouais. Ouais, tu vois. Chute assez nette quand même. Il y a 10,8 millions. Mais il y avait ce côté événement, moi je voulais pas en rater un, je savais que j'allais voir T-Mac qui allait faire un dunk contre la planche. Et même si c'était le bordel avec les maillots, les mecs qui venaient avec les maillots de leurs équipes. Équipe claire, équipe maillot clair, équipe maillot foncé, enfin c'était un bordel. Et l'énorme carotte financière, bah, elle marche avec la NBA Cup parce qu'il y a des mecs pour lesquels 500 000 dollars c'est gigantesque, mais tous les mecs qui sont All-Star là, 500 000 dollars c'est peanuts. Ouais. Enfin, il y a un 23 qui est du coup signé que pour le reste du monde. Sauf que All-Star Game, enfin, je sais pas, j'allais dire ça. Ouais. Pour la défense, là, je réfléchissais. Un NBA Jam des 2-2. LeBron il veut les Ouais, mais. 500. Ouais, il est jamais Je suis contre déjà. une rallonge, mais je suis pas sûr que ce soit sa motivation. Je pense plus au côté narration, le premier à avoir remporté la NBA Cup, c'est pour ça que c'est le GOAT. Tu vois. Mais là, je vois beaucoup, tu sais, le truc de ouais, l'avantage du terrain pour la finale de conférence. Mais si on fait ça, en fait, tu perds autre chose pendant ta saison régulière. Parce que du coup, quel est l'intérêt de jouer là? Tu peux pas mettre une carotte comme ça. Non, je Tu suis peux pas d'accord. mettre ça. Parce que sinon, les mecs, ils vont dire, bah attends, bah du coup, les matchs de saison régulière, ça compte plus tant que ça, vu que c'est que le match du All-Star Game qui donne l'avantage du terrain en finale NBA. Donc pourquoi se casser la tête à avoir absolument le meilleur bilan? Non, je pense que c'est juste. Je suis d'accord avec l'évadé. Soit tu mets une énorme carotte financière, genre ah, le vainqueur du All-Star Game, tout le monde prend un truc, mais ces gars-là, de toute façon, ils sont tellement blindés que est-ce que vraiment il y en a qui vont vouloir à tout prix, combien en tout cas dans le lot vont vouloir à tout prix jouer, je sais pas, pour le billion de dollars en plus, sachant qu'en plus, par définition, des All-Stars, ils ont tous des contrats de multi-millions de dollars à l'année. Non, je pense que c'est juste, il faut accepter le fait, voilà. Merci Jubit, faut prendre l'All-Star Game pour ce qu'il est, c'est un match d'exhibition et il n'y a pas de bonne formule quoi. Il y a des fois où ça va bien se passer, il y a des fois où ça sera dégueulasse. Il y en a eu récemment un hein, d'All-Star Game serré. Tu sais, j'y pense à un truc. Souvent je prends comme exemple l'All-Star Game 2001. Moi je le prends toujours en référence, en mode c'est super beau, etc. C'est l'All-Star Game où Iverson finit MVP, tu vois? Oui, où c'est très serré à la fin. C'est l'All-Star Game.
pendant 35 minutes, c'est une purge. Pendant 35 minutes, c'est une purge. Et moi-même, encore aujourd'hui, des fois, je le prends comme exemple en disant, ah, en 2001, ça jouait, regardez le score, c'est 111, 110, ou je sais plus, c'est un truc, ça finit comme ça. Mais en fait, pendant 35 minutes, l'Ouest domine complètement l'Est, parce que l'Est ne joue pas, il n'y a que des dunks. Du coup, l'Ouest joue encore moins que, tu vois, l'Est se réveille un poil, parce que forcément, l'Ouest joue plus du tout. Et d'un coup, on se retrouve avec un match serré, et en fait, il y a 5 minutes qui valent le coup d'œil. Et ces 5 minutes en question, c'est beaucoup d'isolation d'un côté de Kobe et de l'autre d'Iverson et de Marbury. Mais c'est pas du beau basket, c'est même pas, tu vois, et ça donne juste un scénario et on le prend en exemple, et moi le premier, mais c'est pas un beau All-Star Game en vérité. C'est juste un truc où le hasard a fait que le West, quand l'Ouest menait de 30 points à la mi-temps, a juste dit, bon, bah, c'est bon, allez, on a fini ces conneries. Bon, bref, effectivement, c'est pas, on n'est pas encore All-Star Game de cette année, mais je c'est un sujet, c'est une impasse un peu. Bah, Bitunka veut Yes, absolument qu'on parle d'un autre sujet, on a compris, t'inquiète pas. Mais tu veux parler de quoi, Bitunka, alors, hein? Parce que au lieu de râler là, hein? T'as envie qu'on parle de quoi? Petit flop 5 du début de saison, joueur, coach, équipe, tout est permis. Flop équipe. 5. Allez, équipe. Attends, je regarde le classement pour pas tacler une équipe qui ne mériterait pas. Te dois de mettre les Spurs et les Pistons. Est-ce qu'elle va En faire flop. mieux? Ah, les Bulls, les Bulls, les Bulls. Franchement, on s'y attendait aux Bulls un peu, non? Bah, les Grizzlies, un peu Ah, quand mais même. quand même, ils ont du talent pour être à 7-14. Ils ont plus de talent qu'être à 7-14. Scoot, ouais, Scoot, bien dit. Moi, je vais mettre pour les équipes, je vais mettre les Grizzlies et les Warriors. Ouais, ça se tient aussi, ouais. Warriors. Moi, allez, je vais mettre Bulls, Warriors. Mais Warriors, leur bilan est trompeur pour moi. Oui, mais ça reste en dessous de ce qu'on espérait, quoi. Mais ouais. Ah, les Clippers à 9-10. Et moi, je vais taper sur les Clippers plutôt que sur les Warriors. Je vais dire Clippers, Bulls. Coach Donovan, évidemment. Trop JB facile. Bickerstaff. Jordan Poole. Ça peut en faire partie, je suis d'accord. Hein. Jordan Poole était censé faire mieux. Scoot Henderson. Et moi, bah, toujours pour l'instant, parce que j'espère que ça va se redresser, mais je suis déçu que Taylor Jenkins, que je tenais en haute estime, n'ai pas réussi à faire mieux avec l'équipe qu'il a là, même avec les blessés et les suspendus. Donc, petit combo Grizzlies Jenkins. Alors, flop, parce qu'on les attendait meilleurs que ça. Les équipes faibles dont on attendait qu'elles soient faibles, c'est pas des surprises, c'est pas des flops en fait. Evan Fournier qui n'a toujours pas tapé son coach. Ah. Non mais flop, attends, on l'évadait. On n'a pas dit que Scoot Henderson c'était un flop. Ça en Genre, parlait avant que tu arrives, on a mis ça en les parlait filles. fort quand même, hein. Moi, je l'ai défendu pour le coup, mais. Ah ouais, moi je pense pas que ce soit un flop, Scoot Henderson, on peut pas juger sa carrière. Par contre, l'évadé, là, il nous a demandé un top 5 des flops. Non mais il nous a demandé un top 5 des flops du début de saison. Sur le début de saison, tu peux te dire quand même que Oui. Scoot Henderson, t'espérais quand même qu'il parte plus fort Ouais, que ça. ouais, Moi, ouais. j'espérais très sincèrement qu'il parte plus fort que ça et je suis déçu de la manière dont Scoot Henderson il est parti. Ça ne veut pas dire que j'émets un avis définitif sur la carrière de Scoot Anderson et ni sur sa saison rookie d'ailleurs, parce il va peut-être avoir une bonne période à un moment, se mettre dans le rythme, etc. Mais sur le début de saison, franchement, je suis déçu. Ouais. C'est vrai que Charlotte, ils sont pas dans les flops parce qu'on les aime. Enfin, moi, je les attendais pas plus haut Ouais. que 13e à l'Est, c'est un peu. Ils sont même nettement devant Washington et Détroit, et c'est presque bien, hein. Ah, ils ont plus de joueurs quand même que Washington et Ouais, c'est Détroit. vrai. Mais Popovic aurait été dur. Parce que vous attendiez à ce que. Bon, oui, je m'attendais peut-être pas à ce que les Spurs soient dernier. Ouais. Mais je pensais que, par exemple, voilà, ils ont quand même 3 victoires de moins que Portland déjà. Donc c'est, allez, petit flop, on va dire. Allez. Disons que je pense qu'ils peuvent avoir un meilleur bilan que ça que les Spurs. Je suis un peu déçu de. Moi, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas le 5 Trey Jones, Devin Vassen, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et Victor Wembanyama. Abitunka qui nous demande ce qu'on pense de Jaime Jaquez et Podziemski. Bah, c'est deux Oh, excellents deux rookies. excellents rookies. Après, Jaquez c'est un ton au-dessus parce qu'il fait d'excellentes choses à Miami avec un fort temps de jeu. Podziemski, c'est un peu éclairci dans Il est la très bon, grisaille. Podziemski. Il est très bon. Puis comme j'en parlais hier matin, il est Rémi Jaquez. Ouais.
Draymond l'a adoubé, dit qu'il est super intelligent, super curieux, qu'il est parfait dans la rotation. Et c'est marrant, Podziemski, c'était chez Envergure, Alan Guillou qui était chez Envergure, qui est toujours chez Envergure d'ailleurs, je crois, mais qui est parti bosser dans le staff de Santa Clara, de la fac où était Podziemski. Il disait déjà dans un podcast à l'époque que c'était un super joueur et il lui prédisait une carrière en NBA. Bien vu, c'était bien joué. Après, juste Podziemski, il aura des moments in and out de la rotation, quoi. Alors que Raquez, il est parti pour briller toute la saison, quoi. Il aura ses minutes. Est-ce qu'on a le droit de soulever un coéquipier pour contrer Wemby? Comme les touches au rugby. Ouais. Faut avoir le temps, faut, le timing est compliqué, mais je pense pas que ce soit interdit. C'est dans un épisode de Malcolm qu'ils font ça. Pas si tu regardais Malcolm, mais pour éviter que le père, que Al, il marque des paniers, ils sont tous mis, enfin les trois frères, ils se portent comme ça pour le contrer. Pas mal. Je Salut suis sûr Jubit. que l'inspiration de la question vient de là. Salut, j'ai oublié de souhaiter. Bonne nuit. Oui, chérie, magnifique rêve. Bien Ah, sûr. c'est. Ben, c'est parce qu'en ce moment, ma fille s'est Je mise à m'entends plus pas. kiffer Malcolm. On se les met tous Ah, le kiff, en ça. rediff sur Disney Plus, c'est. Du coup, je la redécouvre aussi. C'était bien. C'était énorme. Ah, nice. Nice, nice, Ah, et nice. qui attends, Kikiche qui a raison, qui dit dans Malcolm, il lui tape dans les couilles. Ouais, ça c'est à la fin, ça. Mais ils font d'abord une tentative où ils se font l'échelle, je crois. Commencer à parler de Malcolm, je vais être obligé de rester. Non, excellente série. Je crois qu'on a la saison 6 là. Et ouais, les acteurs. Bah, son Bryan Cranston, incroyable. Ah bah Et j'utilise souvent dans les articles, je les cale parfois le côté. Je crois que je l'ai mis dans le dernier MOOC, dans un des articles, la phrase de Dewey qui dit je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je crois que je l'ai placée celle-là parce que je la trouve tellement fabuleuse. Il lui fête son anniversaire et c'est ouais, trop son naze. anniversaire. Je ne Je m'attendais me à rien, mais je souviens suis de quand même ça. déçu. Magnifique, incroyable personnage. Dewey, exceptionnel. Toi tu vis, toi tu meurs. Ah non, Dewey, il est exceptionnel, c'est clair. Moi, On est deux. l'Evadé, moi je suis plus Malcolm, mais c'était bien ma famille d'abord, hein, mais je suis quand même plus Malcolm. C'est Ouais, trop moi aussi, perché, c'est Malcolm. perché, j'adore. Bien ma famille d'abord aussi, mais Malcolm. Ah non, clairement c'est bien, c'était bien Malcolm, aussi. Hein. trop culte. On nous demande qui on voit se qualifier ce soir. Alors, ce soir on a donc un Je dis New à York Milwaukee Milwaukee. Phoenix. Moi, je dis Milwaukee et Phoenix. Bah moi je vais dire les Knicks et J'ai hésité Phoenix. pour les Knicks. Je vais mettre les Knicks et Phoenix. Le match est à New York ou à Milwaukee? À Milwaukee. Milwaukee. Mouah. Moi, je mise pour ça, je mets les Bucks et les Suns. Ouais, je vais quand même dire les Knicks. Je vais quand même dire les Knicks et les Suns, je pense. Et après, je vais même m'avancer. Je vais vous dire une finale Indiana-Phoenix. Phoenix. Voilà. Moi aussi. Moi aussi, je pense. Indiana Phoenix en finale. Victoire des Suns. Je sens la carotte pour les Bucks. Possible. Qu'est-ce qu'on pense du coach des Bucks, Griffin? Il a mis enfin c'est pas évident le début, hein. Et il a tenté de changer. J'écoutais ça dans le podcast de Zach Lowe la semaine dernière et il expliquait qu'il avait tenté de changer un peu la manière de défendre d'une équipe qui défendait pourtant très bien ces dernières années. Et les joueurs apparemment ont dialogué avec lui pour revenir au. Alors j'ai pas le spécifique de la conversation et des ajustements qu'il y a eu, mais apparemment ils ont demandé à revenir à des préceptes qu'ils maîtrisaient mieux. Ah, notamment sur Brook Lopez, je pense, du coup. Ouais, Sur exactement, Brook ça, Lopez. le drop qui l'utilise, qui est. Et oui, c'est bien le père de AJ Griffin d'Atlanta, et c'est le père aussi de Aubrey Griffin de la fac de Connecticut chez les filles. Voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'il y a son fils en NBA qui joue plus avec les Hawks. Ouais. C'est quand on voit les Bucks qu'on se rend compte à quel point c'est dur de gagner le titre. C'est très dur de gagner, c'est encore plus dur de faire le back-to-back. Ça va être une tannée, ça va être de plus en plus compliqué. Les dynasties, c'est compliqué, hein. Preuve, c'est que les Warriors, on les considère comme une dynastie. Ils n'ont pas fait de three-peat. Ils ont fait un back-to-back. Ça va être de plus en plus compliqué. Demande à Terry Stotts ce qu'il pense de Griffin, ouais. Ouais, c'est pas bien passé. Ouais, le favori n'a que 20-25%. Bah oui, c'est une ligue exceptionnellement relevée, quoi. On va Il faut dire. tellement de chance, enfin, il y a tellement de facteurs. On va voir avec Denver cette année déjà, tu vois.
une équipe où on se dit pas, ah, c'est vieillissant, ça va être dur de faire deux fois de suite. Ils ont une équipe qui est dans la force de l'âge, leur franchise player est même pas trentenaire. Donc ça va être un bon révélateur, je pense. Je leur souhaite pas, mais je suis quasiment persuadé, et c'est pour ça que j'ai pas mis les Nuggets dans aucun pronostic. Je suis quasiment persuadé qu'il y aura un mec important des Nuggets qui sera blessé en playoff. Mais je leur souhaite pas, hein. J'espère vraiment pas que ce soit ça, mais peut-être pas Murray d'ailleurs, hein. Mais un Michael Porter Jr. ou. Mais il y aura un mec à enchaîner deux saisons comme ça, c'est tellement intense, Tu sais que c'est tellement dingue. même un Caldwell Pope qui se blesse, c'est une cata. Hein. Ouais. Il est Ah ouais, non, hyper mais n'importe quel mec. stable, Non, mais fiable. n'importe quel mec du 5 qui se blesse, je pense que les Nuggets ne peuvent pas gagner. Ouais. Je continue de penser qu'il manque de profondeur. C'est qui a. Peut-être que les Watson, les Brown, etc., ils seront bons peut-être dans 1 ou 2 ans, mais c'est trop léger. Après, Reggie Jackson, il joue bien, mais Reggie Jackson, tu sais qu'en playoff, tu dois moins le faire jouer. Donc, je sais pas. Ouais, je trouve qu'il y a moins de profondeur, tu vois, que les. Même les Strowther, tout ça, c'est des mecs, on les verra pas 1 minute en playoff. Antoine, c'est un voyant. Ah, le banc, c'est faiblard. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur leurs 5 joueurs, leurs 5 majeurs restent en forme. Et après une longue saison comme ça, quand tu as des mecs comme Porter Junior, comme Murray qui se blessent souvent, je suis pas sûr. Mais bon, on verra. En tout cas, par contre, c'est peut-être la meilleure équipe sur le papier à l'Ouest, quoi. J'aime bien le débat parallèle qui s'est lancé sur le fait de savoir si Malcolm c'est une sitcom ou une comédie normale. C'est vrai que je l'identifie pas comme sitcom en plus. Il n'y a pas le côté décor un peu fermé. Mais bref, excellente série. C'est dommage l'embrouille de Denver avec Bones Island, c'est un bon backup. Ouais, mais alors il est pas fini le garçon par contre. Hein. Il brille nulle part au final. Pareil, tu sais, un mec qui score, mais il fait rien d'autre. Il est petit, il défend pas très bien. Ça va Mais vachement miser l'adresse. il croit quand même à chaque fois qu'il entre sur le terrain que c'est le meilleur joueur de. C'est le meilleur joueur de Ah sur le terrain, c'est ça le. ouais. C'est sa force, mais bon. Très bon goût l'évader, évidemment, Brooklyn Nine-Nine au top. Je rêve d'avoir un jour un maillot des Nets Brooklyn, floqué Nine-Nine Peralta. Je le ferai un jour. Surtout dommage pour Boyd Zaïlando, il a raté une bague. Ouais. Je sais pas s'ils ont une marge de manœuvre importante à l'ouest. Il y a quand même du lourd à l'ouest, hein. Denver a une marge importante? Non, ouais, non. Alors, ils ont un matelas de Je dirais qu'ils sont qualité. favoris. Voilà, mais ils ont un matelas. Je veux dire, les certitudes, il n'y a pas de doute sur Jokic, il n'y a pas de doute. À partir du moment où ils sont pas blessés, tu sais que Jamal Murray, il va revenir petit à petit, que ça va être très bien. Gordon, il connaît son rôle. Porter Junior, il a mûri. Tu sais, enfin, il y a pas, ils ont ce matelas de sécurité, je pense. Tu les vois pas. C'est pas le genre d'équipe que tu vois perdre 6 ou 7 matchs de suite. Tu sais. Genre, ah, la Ouais, je spirale suis d'accord. cata. Donc, Ouais, t'as ça raison. ils ont cette marge-là de sécurité, mais après. Après, en playoff, c'est toujours autre chose. Hein. Je sais pas s'il tombe sur un mauvais match-up, un blessé comme tu disais dans le 5, et là, c'est plus compliqué. Petit Jean, meilleur intro d'un épisode de série all-time. C'est fantastique. Le c'est quoi laquelle? Dans Brooklyn Nine-Nine, oui, avec That Way des Backstreet Boys. Alors, ça, Ok, si t'as jamais vu. je connais pas, Et si non, tu. j'ai jamais Alors, Brooklyn regardé Nine-Nine, Brooklyn tu vas Nine-Nine. surkiffer, c'est fantastique. Plein de il y a plein de refs basket aussi. Mais Je vois souvent sur Netflix c'est ouais, incroyable. Petit Jean, C'est la fantastique. pub. Mais comment te décrire l'intro, tu sais, tu as des suspects qui sont alignés pour se faire reconnaître par c'est pas par une victime, mais par la femme de la victime ou je sais pas quoi. Et donc elle dit que. Elle les fait danser. Non, chanter, c'est lui, c'est Peralta, c'est le Chanter, flic qui ouais, l'a fait chanter. je l'ai vu. Oh, Abitunka, t'as pas de goût, hein. Une série naze, tu peux dire que t'aimes pas, mais une série naze, elle est mortelle, Brooklyn Nine-Nine. J'ai vu cette scène dont tu parles, j'ai déjà Ok, vu sur Twitter. très bien. Ah ouais, bon, je sais pas qui d'autre parmi vous ont une pub, moi aussi j'ai. Ah ouais, bah ça veut dire Ouais, qu'il faut ça, on en est s'abonner. à deux à la suite quasiment, c'est chaud quoi. Ah, Je sais pas, en plus, ce n'est pas nous qui maîtrisons ça. Je sais pas comment. Ah bah ouais, surtout qu'on n'a pas mis de haute. Enfin, j'ai dit, et même sur YouTube, on maîtrise pas forcément le. 4 pubs Ouais, d'affilée. quatre pubs d'affilée, bah ouais, c'est ça. Je sais pas, mais c'est pas nous qui.
qui géreront ce truc. Donc je sais pas comment voilà, C'est très comment on chiant. peut gérer ça. Moi Incroyable. aussi je les prends les pubs, je suis solidaire avec vous. Je regarderai tout à l'heure peut-être pour voir si ça. Ouais, tout le monde les a pris, putain, c'est chiant. Allez, pour le principe, je vais offrir un. Qui est généreux. T'offres un abonnement au pif? Ouais, t'as, je me prends la TVA, ça me coûte 4 balles. Allez. Le ferai bien, mais ça va me prendre 10 minutes le temps de rentrer mes codes de carte Allez. bleue et tout. Normalement, là, j'ai offert un abonnement. Ah bah, Kikish. Bah voilà, c'est tombé sur Kikish. C'est mérité. Infidèle. Infidèle, ouais, fidèle de la Est-ce qu'on chaîne. palpe sur les pubs? Alors, je pense que ça fait partie du. Bah, c'est les pubs qui font que Twitch nous envoie des Ouais, sous, mais Twitch. bon, c'est. On n'est pas à un niveau d'abonnement et de pub qui fait que ça rapporte beaucoup de sous quand même. Mais Ouais. merci Rafou d'être monté dans le wagon. Peut-être si les ventes d'une saison en enfer cartonnent, peut-être que j'offrirai Waouh! dix abonnements Si un vous soir. ne voulez plus de pub, les gars, allez acheter une saison en enfer. Et là, peut-être que s'il y a des belles ventes, promis, à un moment, je tape un 10, 10, 10, 10, ouais, 10 subs, c'est comme ça qu'ils disent les Ouais, Anglais, ouais. ça va arriver à Ten Bitunka. subs. C'est parti si tu l'as commandé à temps. Enfin, dans la première vague, je pense que tu vas l'avoir. Je sais pas si vous avez vu, si vous regardez NB Extra, mais ce midi, Rémi et Jacques en ont parlé un peu sur le plateau. C'était très cool. Charite bien ordonnée. Charité bien ordonnée. Abonne-toi, Ah, Anthony. Ouais. charité. Genre, fais comme. Genre, toi aussi, abonne-toi. Non, Déjà, il offre des abonnements, les gars. mais comme ça, je sais quand il y a la chaîne. Let's go. Théo, il y a eu l'alerte promo. Théo est arrivé. Théo, minuit 43, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu tard, Théo, Oh, là, c'est je pour la suis. rédac. Oui, c'est vrai, on pourrait. Bah oui. Parce qu'il faut que vous le sachiez, Antoine a quand même pas écrit une grosse partie du livre, c'est un peu. Ouais, les gars, j'ai pas écrit tout le. Ouais, quand même, non, mais Il y a pas. c'est. Voilà. Faux. C'est la tête de gondole du projet, quand même. Il faut le dire. Théo, il est motivé par la NBA Cup. Oui, c'est ça. Sans doute. Bande de communistes. Il a eu un spasme sur la promo. Et ben alors, Greg, on a perdu ses lunettes. Ah, mais t'es sur ton ordi, Greg? Bah, c'est bien. Pas mal. Mais oui, c'est bien. Non, je le dis, c'est pas du tout en mode. C'est en mode admiratif, je l'ai dit. Bah, moi aussi, je suis sur mon ordi, d'ailleurs. T'as des lunettes toi aussi, non? Ouais, mais là, j'ai mes lentilles, là. Putain, je fais partie des rares êtres humains à jamais avoir porté de lunettes de ma vie. Moi, je suis du myope hardcore, hein, les gars. C'est du moins 6,5 hein, dans chaque œil. Je suis du myope de la myopie sévère, C'est pratique pour commenter des conneries et faire des débats parallèles. Bah ouais, quoi. Ouais, je suis mais t'as d'accord. raison, ouais, c'est. Est-ce qu'on prévoit un autre livre? Bah, il y aura d'autres MOOC, ça c'est une certitude, évidemment. Il vient de sortir celui-là. Celui-là vient de sortir. Si le succès est au rendez-vous, même le succès d'Estime, ne serait-ce que ça, est au rendez-vous, c'est pas exclu qu'on fasse un autre truc du genre. Mais les gars, j'ai des lentilles pour shooter. Mais mes lentilles, je vois très bien sur le terrain. Un bon shooter, une rare qualité. Ah, moi, j'ai vu des vidéos d'Antoine qui s'entraîne là récemment. Ça Ouais, filoche. et ça filoche, hein. Ça filoche. Vous verrez pas de vidéo de moi en train de shooter, par contre, hein, je vous préviens. Le back-to-back en enfer. Attends les vidéos, un jour vous les aurez. Ouais. Posterai sur mon compte Twitter quand je voudrais flamber. Que pensez-vous de Batum et Covington finalement aux Sixers? Bah Batum, bien. Covington, ça va? Ça monte en puissance. J'ai vu deux matchs de suite des Sixers où Covington il fait des super matchs offensifs. Enfin, il rentre ses tirs alors qu'il n'en mettait plus un. C'était pas mal, ouais. Et puis Batum, il s'est super bien intégré. J'en parlais tout à l'heure au début de. Avant quand on arrive, je crois. Il est comme un poisson dans l'eau Il là-bas. se passait beaucoup de choses avant que j'arrive. Ah, Kiki, je t'ai noté, ouais. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Il faudrait qu'on fasse, tu sais, comme ils font au moment des events là. À partir de tant de subs, on fait ça, enfin des défis, tout ça, tu vois. Et moi, à partir de tant de subs, je mettrai la vidéo de moi sur le jeu télé où j'ai paumé de l'argent.
T'as la vidéo? Ah, c'est beau ça. Bah, je Ah, dirais, ouais, on ça peut devrait. se retrouver facilement, ouais. On se fait une soirée d'event. Partir de 200 subs. Attends, Covington, il a fait un match à 40 points l'an dernier. Covington? Putain, c'est possible, hein. Attends, je vais vérifier Je ça. crois pas Covington. qu'Abitounka nous mente, hein, et il a l'air d'être au. Je m'en souvenais plus en tout cas. J'ai l'impression qu'on l'avait plus joué depuis 30 points. Game Height. Chiche, je Non, mets ma c'est en syncope chez Lenny. 2022. C'est en 2022. C'est pas l'année dernière, c'est celle juste avant. Effectivement, il fait un match à 43 points. Ah ouais. Oui, mais 11 paniers à 3 points dans ce match. Putain. Ouais, c'était il y a 2 saisons. Ouais. Non, désolé, Abitounka, je peux pas envoyer ça. C'est un dossier précieux. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose à gagner en échange. Hein. Je peux pas. J'avais 18 ans, les cheveux mi-longs. Je perds sur la dernière question. C'est pas possible. Tu vois, il faut quand même un peu d'amour-propre. Quel mois de 2022? Alors là, tu as fermé la loulou, ouais, pourquoi pas? Contre quel adversaire? Ah bah contre les Clippers, je me dis. Non, c'est avec les Clippers, si je joue aux Clippers. Corey Brewer, Chloé Bauer, elle a même mis 50 points dans un match, les gars. ouais. 50, il y a Terence Ross qui l'a fait. Corey Brewer, 50? Ouais, Chloé Bauer, Putain, 51 ou 52. Attends, je je suis à vais la te masse. donner son record exact. Il a fait un match avec les Wolves. 50 points, une 51 game. points, 51 points le 51 points. 11 avril 2014 contre les Rockets. Ah, il y a Tony Dell qui est aussi dans les. Ouais, Tony Delk. Bah, je me souvenais de Terence Ross parce que j'avais regardé le match en plus. Terence Ross, ouais, Terence Ross. Plus Terence Ross, il était encore jeune, c'était encore à l'époque où tu pouvais croire que. Ouais. Brandon Jennings aussi, non? Ouais, 57 carré Jennings, je crois, ou 56 Oh au la bout vache. de son 7e match. Ah ouais. Ah, Jennings, il a du talent. Puis c'est lui qui nous a. On pourra jamais. On pourra toujours retenir son Bucks in Six. J'ai oublié ça. Franchement, il a quand même créé tout un truc. Ah, il est iconique, Terrence Jennings. 55 points, 14 novembre Non, 2009 Brandon pour Jennings, je Brandon l'appelle Jennings. Terrence Jennings. Il Brandon Jennings. était dans le podcast avec Arenas l'autre jour là. J'aime bien Brandon Jennings, j'aimais bien ce joueur. Il se l'a raconté grave. Il serait très fort dans cette NBA. Non, mais tu sais, ouais, il annonçait, enfin il disait que. Je sais plus ce qu'il disait sur un match de lycée où il disait qu'il taffait Derrick Rose et tout. Puis tu vois que dans le match, ça n'a rien à voir en fait. Enfin, il disait genre tout le monde avait peur de moi, mais bon. Bof. Tiens, c'était même plus que ses premiers mois, c'était son 7e match en carrière. Ça, c'est Et fort. j'aimais bien ce joueur, moi. J'aimais bien Brandon Jennings. J'ai vu Kyrie marquer 60 points à Orlando. 55 contre Denver. Non, Ouais. contre les Warriors, pardon. Oui, Théo a raison, contre les Warriors. Des joueurs avec un match à plus de 50 points, il y en a plein. J'ouvre un annuaire, j'en trouve un wagon. Bah, c'est plus. Ouais, Oui, forcément, mais. avec les attaques. Ouais, mais y a pas tant de mecs, c'est improbable, tu vois. À la Ouais. Tony Delk, à la. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Genre, les mecs qui vont taper les 50 points, les stars, t'as plus souvent les 50 points. Mais c'est rare, je sais pas. T'imagines si demain, Sam Hauser, il met 50 points? Possible. Ou je sais pas, ou attends, j'essaie de trouver un mec qui serait l'équivalent de Tony Delk. Je sais pas, Monte Morris, quoi. Il tape un match 50 points, ce serait trop bizarre, quoi. Monte Maurice. Ouais, c'est ouf, tu vois, t'es là. Fait qu'il... OJ Mayo, son career high, c'est quoi? Je peux regarder, je vais vous dire. OJ Mayo Reference. C'était mon joueur Mais moi. sur NBA Live. C'est marrant au début qu'il avait un vrai nom star, mais j'ai jamais, en fait, j'ai jamais aimé les Grizzlies. Voilà, c'est officiel. Jamais. Du coup, j'avais du mal à accrocher à OJ Mayo. Game Abitounka, Height. on l'a dit, Abitounka, c'est Terence 40. Ross. 40 à OJ Mayo. Mais à une époque où ça jouait moins. Ouais, 40, c'est pas mal pour l'époque. Ouais. C'est quoi vos career high? Moi, ça doit être 8, un truc comme ça. J'ai jamais fait 30. J'ai dû mettre 27 ou 28 points, un truc comme ça. C'est déjà beau. En basket, j'ai pas de career high parce que j'ai pas de match officiel de basket. Alors en foot, je crois que j'ai mis un doublé une Bah, fois. j'ai le même carrière que Tyus Jones. Ah, doublé, c'est beau. Ouais, doublé. Improbable, genre un but sur corner, un point tard et genre un coup franc dévié, une merde comme ça. Bah, c'est beau. Tu Ouais. tirais les coups francs, ça veut dire. Ouais, ça m'arrivait. Ah, c'est nice. C'est nice, très nice. Moi, Jordan j'ai avait humilié plusieurs OJ Mayo. Ouais, bah ouais, parce que Jimmy Lewis, là, il parlait trop, quoi. Il y a la vidéo d'ailleurs.
Ah, de quand je me souvenais pas. Et Ojimeo, c'est Ojimeo qui a dunké sur LeBron à un camp et Nike a tout fait pour étouffer cette vidéo. Je crois que c'est lui. C'est possible. Mais la vidéo Je de crois que c'est Jordan, Oji. la vidéo de Jordan, ouais, c'est tu le vois enchaîner les paniers sur lui après que Mayo ait dit je vais le taffer. Adam Morrison. Ah ouais, bon, en fait, vous avez tous me les demandé. Adam Morrison. Je sais qu'il a fait un match à 30 et quelques, ça, j'en suis sûr. J'ai quand même plusieurs matchs dans ma vie où j'ai mis 4 paniers à 3 points. J'en ai un paquet C'est à mon beau, actif. c'est beau. Alors, Adam Morrison. Adam Morrison. 30 points, c'était sa saison rookie. C'est pas mal, hein. Ouais. Adam Morrison, t'as vraiment pas resté longtemps en NBA pour un mec qui a été drafté en troisième position. Hein. Il est un peu vite oublié des gros busts, lui. Hein. Bah, on en parlait pas mal à une époque, mais c'est vrai qu'après il y en a eu d'autres, donc Quand même. je l'ai vu l'article sur les chauves, Oh. la bonne rouste, ça m'a fait rire. Mais non, je ne vais plus chez le coiffeur, donc je suis pas client de ce point de deal. Ah bah non, bah, alors, si tu parles d'Anthony Bennett, Bitunka, Théo va réagir aussi, hein, et... Théo, 41 points, le record en départ, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est du carton. Ah, c'est pas pour rien que c'est le boss, hein. Eh oui. En concours Bagley. avec Julien maintenant. Bagley, plus gros boss all time? Non. Non, il y a pire. Bah, Anthony Bennett, c'est pire que Bagley dans ce cas-là. Bah oui, c'est largement pire. C'est un numéro 1 de draft, hein. Qui s'est pas fait les croisés ou quoi, qui a des problèmes d'asthme, mais Bennett, pour moi, c'est le plus gros boss. Ah, Maestro, ça c'est Michael Carter Jr. Olobo Kandji, c'est pas mal. Milicic, c'est un bust parce que faut voir la compagnie qui a été la sienne dans la classe de draft, mais ouais, il a été décevant, c'est sûr, mais bust, c'est vraiment, voilà, pour moi Bennett, c'est surréaliste, c'est le bon terme, je trouve. Déjà, je me souviens que pendant la draft, tout le monde était, enfin il y avait pas Twitter et Woj qui, enfin il y avait certainement, c'était les débuts, mais on suivait moins les tendances sur les first picks et tout ça, et les gens étaient sur le cul que ce soit Bennett, hein. Enfin, moi j'étais sur le cul, je pensais que enfin, ça se jouait entre McLemore, Un McLemore qui finit 7. Oladipo. Ouais. Il s'était annoncé longtemps. Hein. Ouais, et Bon, même. d'ailleurs, il a jamais percé dans la Il y ligue avait au même. C'est final. cette année-là, Nerlens Noël aussi? Ouais, 2013, la fameuse. C'est Giannis et Gobert, les meilleurs joueurs de cette draft, quoi. C'est pas 2000... C'est 2012? Non. 2000... Non, 2013, 2013. 2013? Ouais. Ouais. Jimmer Fredette, pas mal, mais bon, c'est un Ouais, bust dixième pick, hein, c'est pas. Oladipo, c'était mon favori de la draft, là. Il a été pris en 2. Il avait fait un long papier sur lui, sur Basket Session à l'époque. Ça date, hein. Oh. Alex Len top 5, ouais, mais le mec a une carrière un peu banale, mais tu vois, il était là, quoi. Ah, c'est Waiters, le top 4 de ce draft? Ah, je me souvenais pas, ça. Dion Waiters. Larry Martin, ouais, un first pick qui a complètement foiré aussi. Ah bah Kwame Brown, c'est parce que c'est genre le choix de Jordan, un lycéen, ouais, Kwame ça a Brown, été c'est un le moment must. où ils avaient déconné sur les lycéens. Il y a un très bon livre de Jonathan Abrams. Ouais. Boys Among Men, voilà, je cherchais le titre, il est là. Si ça Ouais. vous intéresse, il y en a que ça intéresse. Boys Among Men, très bon livre. Alors, bien sûr, c'est en anglais, hein, mais Bah, ça peut... nos lecteurs Ça sont peut... des anglophones, Voilà, ça se ça sent. pour les anglophones, il y a vraiment plein d'histoires à apprendre sur Kobe, sur Tyson Chandler, sur Eddie Curry, sur Kwame Brown. C'est passionnant, le livre est incroyable. Tous les mecs draftés par Phoenix pendant des années, ouais. Dragan Bender, c'est un bon bust aussi, hein. Dragan Bender, hein, j'aimais bien. J'aimais bien aussi. Hey, j'avais même fait un article sur lui où les mecs ils disaient ah, il y a du coucoach et tout. Pff, aïe aïe aïe. Il était arrivé. Dragan Bender, il serait fort dans. J'allais dire, limite arrivé 2-3 ans trop tôt. Benson, ouais, bah, son premier match, il se mange une énorme patate, un sucker punch par Jabbar. Vezeli, putain, Vezeli, après il était bon en Europe, mais. C'est vrai l'anecdote de Stephen A sur Kwame Brown avec la poudre. Je la connais Je la pas cette connais anecdote. pas, moi non plus, je la connais pas celle-là. Marquise Chris, Marquise ouais. Chris, ouais, mais il est drafté quoi en 8, Marquise Chris, quoi. À un moment, c'est parce que tu peux... les busts, faut que ce soit sur les trois premiers, sinon c'est. Ouais, c'est ça, je pense que. Sinon, c'est. Sinon, c'est. Enfin, t'en as trop, quoi. Yann Vazdine. Ah, Doumbouya, flop, ouais. Bust, je sais pas, mais À l'échelle flop, française, quoi. flop, ouais, quand même.
Raizonia, t'as ouais. Ah ouais, Orlando. Mario. Stephen Hay est un mytho. Stephen Hay, c'est un acteur, Stephen Hay Smith. Un bon Le acteur. meilleur acteur de ce game. Un très bon acteur. Je suis étonné qu'il soit pas plus souvent pris dans des films, quoi. Vraie qualité d'acting. Le jour où j'ai vraiment compris que c'était un fou furieux de l'acting, c'est quand il avait commencé à sortir des rumeurs sur KD en 2014. Avec Genre, le prix. je peux vous dire qu'il hésite très sérieusement à rejoindre cette équipe-là et tout. Et KD avait dit non, mais écoutez pas ce charlot, il a aucune info. En gros, il a dit ça. Et derrière, il avait tourné une vidéo genre de 13 minutes tout seul dans son salon. Il regardait la caméra et disait Kevin Durant! You don't want me as an enemy. Genre, je connais des gens, fais gaffe et tout, tu peux pas m'avoir comme ennemi. Et il était parti dans un truc. Wow. Ouais, il va trop loin, trop loin. Mais il est incroyable. Johnny Flynn, bah oui, forcément, les meneurs pris par les Wolves devant Stephen Curry. Fait les quatre tortues ninja lui tout seul. Ouais, Stephen Smith. Je sais plus chez qui c'était, avec Bill Simmons peut-être. Il racontait que même dans sa vie, il avait l'impression d'être qu'on lui tendait des pièges pour le faire fauter, genre qu'on lui envoyait des meufs à son hôtel pour lui proposer des trucs chelous et qu'en fait il était persuadé que c'était pour le faire tomber, tu vois, pour lui créer un scandale et donc il disait tournant. Le mec est persuadé que les gens veulent le faire tomber. C'est ça. Ah, moi au début je le détestais, puis après quand j'ai capté que c'était vraiment que de l'entertainment, je me Ouais, suis mis à l'apprécier quoi. Il il a est mûri. tellement plus fort que les Nick Wong, les Skip Bayless, Nick Wrong. les Uncle Sharp ou des Shannon Sharp là. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville quoi. Ouais, ils ont tous le côté entertainer comme ça, à part l'effort. Ils savent pas faire ce qu'il fait lui en fait. Lui il est au-dessus du game. À quel point les mecs croient leurs conneries, bah. Le problème, c'est une émission qui est super regardée. Hein. Il y a des mecs qui se renseignent sur la NBA à travers ça. Hein. Et puis ils te mettent un C'est mec ou deux qui sont un peu plus soft à côté pour pondérer, type les Reddick et tout ça. Est-ce qu'il y avait un équivalent à Stephen Hay? Je sais. moi, je sais pas ça. Bah, peut-être pas sur ce plateau-là, mais Bayless, c'était un des premiers qui a vraiment qui ciblait des mecs et qui les défonçait, quoi. Et puis alors, il a fait sa fixette sur LeBron, ça en devenait malaisant. Après, il a eu une phase de Kawhi aussi. Il refusait de dire le nom de Kawhi parce que il était un peu fan des Spurs et il a pas aimé le truc. Stephen Hayes, c'est rigolo. Ouais, il y a quelque chose, ok, je peux voir. Mais alors, parfois, rigolo, rigolo quand il parle de foot, souvent je me dis. Alors, je précise pas quand il parle d'autre chose, parce qu'en dehors du foot, c'est un peu trop réac à mon goût. Hein. Ciao Théo. Mais quand il parle de foot, en général, je me dis souvent, ah, il a pas tort, tu vois. Stephen Hayes, je me dis pas tout le temps, il a pas tort, tu vois. Souvent, je me dis, ah, il abuse quand même. Moi, je me souviens aussi là de Steven Hay avec LaVar Ball. C'était incroyable. L'entrée de LaVar Ball dans le studio, c'est légendaire. Je Incroyable. sais même pas comment Lonzo il a fait pour supporter. Je t'avais dit que au Paris Game, en repartant, j'avais vu LaVar Ball prendre des photos avec des gens et monter dans une Punto. Improbable. Ouais. Dans une Punto. Une Punto. Alors peut-être que c'était un Uber, je sais pas, un mec qui est à l'arrache, Mais mais qui a quel pas. Uber à une Punto. Je sais pas. À une époque, il y avait des Uber, les mecs qui faisaient ça de leur côté, mais. Le mec, il est monté dans une Punto. Enfin, je crois que c'était une Punto, un modèle pourrave. Incroyable. Multiple. Et après, il a mangé à Saint-Denis, tu sais. Ouais. Il est monté dans une Punto et est parti manger un grec à Saint-Denis. Ah oh, mon Dieu. Et après, il a fini dans une chicha à Sarcelles. La folle soirée de la Varbole à Paris. Mais par contre, il était hyper détente, il prenait des photos avec les gens et tout. Bon, je pense que c'est un mec cool quand Et même. tu, je sais pas si tu veux, alors pour parler d'un autre sport, mais un mec qui était là et qui a voulu absolument prendre une photo avec LaVar Ball, tu vois qui c'est, Sacha Zoya ou pas? Non, pas du tout. C'est un sprinteur français, gros talent et tout. Je tape. Si tu vas voir, Ah ouais, ok. et il est franco, je sais plus quoi, pas Sudaf, je sais plus. Un mec qui tape des temps de Australien, fou. franco-australien, 110 Zimbabwe. mètres, ouais, merci. Merci pour la Ok. Et précision. Et lui, il a voulu il était là en prendre. fait quand moi j'attendais un Uber justement. Et il était avec des potes et il a voulu faire la photo avec LaVar Ball. Ok. Et bah.
Je suis désolé, les gars, je commence à fatiguer. Oui, bah, de toute façon, il est 1 heure du matin, on va pas Pour ce tarder quand coup de même. l'entraînement. Ah oui, la Warball, une Punto, une Chicha. Bah ouais, merci Loulou, on a trouvé. Ah, c'est magnifique. Ou la VAR avec une Chicha. Une Punto, ça c'est très beau. Là, on a parlé du côté cool de la VAR, mais le fait que tous ses fils aient des chevilles en mousse ou des genoux en mousse, Ah bah, pas mais merci pour la le VAR. coup, je. Hein. Tu nous dois 1 heure de rab. Ah mais je peux pas tenir moi 1 heure de rab. Il a pas Je suis, je manqué suis. une heure, les gars. J'ai manqué 40 minutes, je suis arrivé à Ah, ça va. 23h40. Voilà. 23h40. C'est vrai que cette émission à la base c'était censé durer 1 heure à la base des bases. Ouais, on s'était dit, tiens, une fois par semaine, un petit truc libre, un petit Et truc cool comme après, ça. maintenant c'est ça dure jusqu'à 1 heure du matin. Après c'est vrai que maintenant j'arrive en retard, mais ils ont changé mes horaires d'entraînement quoi. On va se laisser là-dessus, les gars. Hein. On va tranquillement préparer le CQFR de demain avec. On va le rappeler des matchs. À partir de 1h30, vous avez Milwaukee, New York. Ouais. Sympathique. Ouais, Et et à 4h, je crois. après ce coup-ci, je vais peut-être dormir un peu et regarder celui de 4 heures. Hier, j'ai fait l'inverse. Hier, j'ai regardé en direct Indiana-Boston. Et toi, Je t'es pense ambitieux, toi. que. Ouais. Et ouais, peut-être ouais, Lakers-Phoenix à 4 heures. On va voir. De toute façon, on se retrouve demain matin pour le CQFR. Ah, Yes. tu commences à 8 heures? Bah, nous, c'est même, on commence encore plus tôt que toi, petit Jean, t'inquiète. On soutient. mais bon courage quand même. Bon courage, ouais. Force à vous, force à ceux qui bossent, force à ceux qui glandent, force à ceux qui vont en cours. Force à vous tous. Ah, ça va l'évader pour toi. 13 h, c'est beau ces époques où tu peux dire, ah, je commence à 13 h demain, j'ai cours à 13 h. C'était bien ça. Je préférais commencer super tôt et finir tôt, je tiens à le dire. Ouais. Bah, sauf quand tu faisais, il y avait des fêtes ou des soirées, des nuits FIFA. Ah oui, des nuits, ouais, ça c'est autre chose. Bref, merci à tous, chers lighters, encore comme d'habitude. Bon courage à nouveau pour ceux qui se lèvent demain matin. Continuez de nous suivre tous les matins dans le CQFR. Il y a les autres programmes sur la chaîne aussi YouTube. Vous pouvez voir les rediffusions. Hein. Enfin, même si vous n'avez pas pris le jour même, le podcast est toujours là. Le Mob Deep le samedi. La Hoop Culture le dit. Apparemment, la Hoop Culture, Antoine, on nous a fait un. Je l'ai pas. C'est le premier que j'ai pas encore rattrapé. Apparemment, Théo nous a défié. Ça parle d'une rivalité Hoop Culture CQFR. Apparemment, ça a trash talké. Ouais, je vais devoir écouter ça et remettre Ah. les pendules à l'heure. On va Ouais. devoir demain dans le CQFR, on devoir mettre un petit taquet à Théo et Pierre Armand. C'est ça. Pierre Hamon, je leur disais tout à l'heure qu'il m'a envoyé un texto pour me prévenir que je me ferais casser les jambes la prochaine fois que je descends sur Marseille sans passer lui dire bonjour. Voilà. Je ne veux pas me mettre le milieu marseillais à dos, donc je m'exécuterai la prochaine fois. Bref, Yes. bonne nuit à tous. Merci Ouais, bonne nuit à encore. tous. Antoine, à tout à Ciao, ciao. l'heure. Yes, à toutes, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao.